let's play hard Hello, hello. Hello. Tu dis pas que je suis un grand joueur, moi <laughs> Peut-être pas, non. Ah. Tu es dans l'équipe. dans le <laughs> cœur, Bah, S'ils ne m'entendent pas, je peux, je peux pas trop combler. Hein. Là, normalement, ils m'entendent, c'est bon, c'est bon. Désolé, désolé, on recommence. En plus, ils n'ont pas bon. entendu les meilleures blagues de la soirée. Euh, on la refait. Bonsoir là, à tous. C'est bon. <laughs> non, là, c'est bon, non, non, c'est bon. Il y, avait, il y avait un souci, je pense qu'il y a eu une mise à jour euh, streamable. Je, je, je voulais juste vous dire bonjour, en tout cas, à tout le monde dans le chat. On est content de vous retrouver. Et on disait juste que... Enfin, je vais juste leur dire, c'est que... Euh... On n'a on a même pas annoncé en avance un invité, c'est même pas vraiment un invité, mais on va dire une personne qui est là avec nous ce soir, qui est Kaselek, que vous connaissez bien, et qui en plus va jouer euh, des matchs importants les trois prochaines semaines, normalement, dans, au niveau du championnat. Et j'avais présenté euh, Zed et Darcel, mais qui ont déjà dit bonjour, et ça, vous, avez, vous les avez entendus, normalement. Ah. Donc voilà, normalement, vous, on vous a entendu pas non, moi. On m'entend. <laughs> ouais, c'est ça. Je suis auto-censuré. Euh, auto <laughs> et salut, euh, casselec Salut, Dapidu. Salut chat, salut Zed, salut Darcel. Bisous. Hello. hello, hello. En tout cas, on est heureux de te retrouver, ça fait un petit moment et on voit que tu as fait un bon bonhomme de chemin cette saison et ça fait plaisir en tout cas. Euh... On en reparlera un petit peu après, mais on va dire que voilà, tu as une belle saison, enfin une bonne fin de saison qui s'annonce oui, mais... en tout cas. Il faut qu'on qu en profite, c'est sûrement la dernière fois que... Qu'on pourra dire ça. Mais j'ai l'impression que tu nous dis souvent ça, tu vois. Souvent, enfin, non, c'est pas que tu nous dis souvent ça, mais tu sais, parfois, genre, euh, ah, la saison prochaine, ça va être compliqué, l'équipe est vieillissante, et puis tu es toujours là quand même. <laughs> non <laughs> Ouais, mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter. C'est vrai. Le plus tard possible, on espère Je fais quoi. semblant. <laughs> c'est ça. C'est stratégique, comme ça, à chaque fois, les adversaires, la saison prochaine, tu vois, ils disent, ah, Kasselek, euh, il est OK. Euh... Avec tous ces papiers, et tout, ils font pas attention. Et là, bam, tu vois. Mais on va en reparler. Mais donc ce soir, ouais, petite émission. Euh, bah, j'allais dire, on n'a pas d'invité, mais finalement, enfin, si, on a quand même un invité, mais Caselac est plus là, voilà, dans les dans les habitués en tout cas. Mais petite émission, on va parler un peu des actualités. Il s'est passé une actualité, notamment une grosse actualité cette semaine. On va quand même suivre la première mi-temps des matchs internationaux. La tribune des supporters. On a reçu euh, le message très important de Katox pour sa dernière, euh, pour le résumé du, du tournoi. Et il euh, y aura un petit jeu pour finir. Donc voilà, et on espère que vous allez bien dans le chat aussi. Je vois qu'il y a déjà Mev qui dit bonsoir Mev, Cheche, -che, Petit Bac, bon Darcel casselec aussi. Euh, N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, en tout cas, ça fait plaisir de, de vous retrouver. On espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes en forme, l'équipe et casselec euh, Oui. Toujours, oh oui. oui. Okay. Il n'a pas l'air <laughs> sûr <laughs> de lui, Zed. <laughs> euh, ouais, je pense. Mmh. Bon, ouais, écoute. Peut-être. C'est <laughs> lui qui ça Franchement, c'est vrai, c'est le week-end, ça peut caler. Et Kaselek, qu est-ce que tu es en forme Oui. Parfait. Eh ben voilà, on est tous. Oh, doux... oui. oui. Il commence à faire un peu plus beau, euh... donc euh, c'est mieux pour le moral. J'avoue, ça, on peut en parler. <laughs> euh... bah, je sais pas toi, Darcel, parce que toi, tu es vraiment loin de nous tous. Toi, je sais pas comment il fait, c'est quoi les températures au Canada Alors, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une anecdote là-dessus. Euh, moi, je suis du genre à ne jamais regarder la météo. Et okay. c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché au Canada. Et je commence à comprendre pourquoi. Ah Ce ouais Un mercredi, je suis allé au travail. Et euh, il faisait soleil, grand soleil. Je me suis dit, oh cool, il fait beau, je, je m'habille légèrement, etc. Je rentre dans le bureau, je travaille, travaille, travaille. Et à un moment, je vais vers la fenêtre en buvant mon café. Et là, il neigeait. Et il neigeait <laughs> beaucoup. Beaucoup, beaucoup. <laughs> ouais, Ça m'a totalement choqué. Je me suis dit comment je vais faire ce soir pour rentrer Je vais avoir froid, etc. Et au moment où je suis sorti du bureau, genre quelques heures après, il neigeait plus. Il faisait grand soleil. Ok, ok. Ah ouais, donc c'est très très changeant. Mais euh, ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Mais euh, je t'avoue que je pense euh, peut-être Z et peut-être avec aussi. Nous, on a un peu ce temps-là, mais sur chaque jour, j'ai l'impression qu'on a un temps différent pour l'instant. Tu vois, es, un jour il va pleuvoir, il va faire très mauvais. L'autre jour, il va faire super chaud. On a un peu ce truc-là, mais pas aussi proche, pas aussi proche dans le temps que toi, euh, Darcel. Ah. Mais ouais, nous pour l'instant, on a un peu ça, je trouve le temps. Mais c'est vrai que les températures ont tendance quand même à augmenter. Heureusement, on est au mois d'avril. Bientôt au mois de mai, euh, il était un peu temps. Donc là, il commence à faire beau. Toi, vous, attends, toi, es... ah mais non, t'es dans l'hémisphère nord aussi, donc en fait, tu as plus ou moins les mêmes hivers et été que nous, quoi, en gros. Plus ou moins. Oui, oui. Euh, je dois même avouer un truc. Vous saviez que euh, le Canada, Montréal, enfin tout le Canada, c'est plus au sud que euh, le sud de la France Ah, euh, ok, parce que tu veux dire que sur la carte... Parce que souvent les cartes, on dit qu'elles ont été faites grossièrement, en fait, en gros. C'est ça, hein sur les cartes qu'on voit, c'est par rapport à ça que tu veux ouais, dire Mais c'est en... La latitude, si je ne dis pas de bêtises, de Montréal, euh, Vancouver, etc., est plus proche de l'équateur. Que euh, la latitude de Marseille. Ah, c'est possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Déjà, tu vois, le fait déjà de mettre une carte sur, euh, on va dire une surface plane, alors que tu vois, c'est un globe. Déjà, il y a des problèmes. Tu vois, il y a des choses qui, qui ne peuvent pas être correctes. Tu vois. Ouais. Un des exemples, je pense, c'est par exemple le continent africain. Tu vois, si tu regardes sur la carte, il est presque aussi grand que le territoire européen. Enfin, c'est plus ou moins équivalent. Je dis bien plus ou moins. Je sais pas lequel des deux est un peu plus grand, mais il paraît qu'en vrai. Euh, genre euh, l'Afrique, enfin le continent africain est euh, x fois plus grand vraiment que l'Europe. Donc il y a plein de petits, euh, euh, de petits soucis comme ça au niveau des cartes. Vraiment plus grand. Ouais. Euh, et oui, la Terre est ronde, mais pas vraiment. Mais non, la Terre est plate sur, bah, bien évidemment. Bien sûr, ça. <laughs> voilà, ça hein, <laughs> sûr. On refait, le, on refait le, la théorie ici. Oh, horrible. <laughs> ouais ouais non, bien sûr, l'éplatisse. On pourrait en parler des heures, mais bon, ça pourrait être un sujet de Z. Bah, il a déjà fait. Z, a déjà fait un sujet sur l'éplatisse pendant que j'y pense. Ah non, c'était sur les fails. Et euh, t'avais parlé d'un platiste qui a écrit sa fusée, qui finalement il était retombé, je sais pas trop quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire, euh, on est content de vous retrouver et, euh, et on va suivre les matchs internationaux parce qu'il y a des beaux matchs ce soir. Enfin des beaux matchs. Il y a des matchs quand même très intéressants, dont la finale de coupe d'Europe. Alors on va regarder ça parce que je crois que ça va démarrer incessamment sous peu. Euh, je vais vous afficher tout ça. Alors attendez, j'ai plus l'habitude. Euh, voilà, au niveau des matchs qui vont démarrer. Donc on va suivre Irlande-Pologne chez, euh, chez les U21 parce que c'est la, la finale de la coupe d'Europe. On va suivre en, alors toujours dans la, enfin, dans la, chez les U21, on va suivre Ouzbékistan, Bénin et euh, bien évidemment, ça, je veux dire, c'est très, c'est la Géorgie, voilà contre l'Algérie. <laughs> ouais, c'est la Georgie que j'ai un peu du mal. Autant Algérie ça allait, tu vois. Autant la ah, d'accord sa carte vélo, tu vois. Donc Georgie, Algérie, donc c'est pour euh, c'est le match retour des barrages pour jouer la Coupe du Monde euh, l'année prochaine, donc enfin euh, la saison prochaine. Ça oui. c'est intéressant. Et d'autant que l'Algérie n'a pas été en Coupe du Monde depuis très 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 longtemps et Chercheur a fait un très beau début de mandat. Donc euh, le, le barrage peut confirmer tout ça. Donc euh... On va voir, on va voir ce que ça donne. Ah, intéressant, on va, voir. on va regarder ça. Et, euh, et chez, les, chez les A, on va quand même suivre bien évidemment le T4, la première journée, avec Belgique, Roumanie et Allemagne, Canada. Euh, on a pris Allemagne, Canada parce que c'est un peu le groupe de la mort, avec euh, notamment euh, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne et euh, l'Angleterre. Donc hein, un très beau groupe en tout cas. Très, euh, j'allais dire très européen à part le Canada. <laughs> sinon, quand même, voilà, gros groupe. Ah, oh, mais c'est. Le Canada, c'est européen. C'est quasiment. Oui, c'est l'Indien. On est, est française et pas canadienne, tu vois. Donc, c'est pareil. Enfin, <laughs> en vrai. Oui, ça. Et donc, ça vous va. On va démarrer sur les matchs. Et euh, on, a, on a deux personnes capables d'analyser ça bien. Darcel et Kassenek. Je pense qu'on peut voir un petit peu. Euh, je pense qu'on va quand même commencer. Est-ce que ça vous va si on fait une prédiction C'est vrai que je vois qu'on a oublié de faire une prédiction pour les gens qui sont arrivés là maintenant. On préfère une prédiction facile, je pense. Qui est championne d'Europe Irlande, Pologne, peut-être. Et comme ça, les gens peuvent même voir avec les notes, non Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Si, si quelqu'un peut faire, si un de vous deux peut le faire, ce serait vraiment cool en tout cas. Mais on va regarder, on va commencer. Parfait, on va regarder donc Irlande, Pologne chez les U21 et on voit, là déjà on voit une compo plus offensive contre une compo plus défensive. Donc l'Irlande qui est en 2-5-3 et la Pologne qui est en 5-2-3. Vous en pensez quoi Je laisse pas. C'est là que parler. Ok. C'est un plus grand expert que moi quest euh, est-ce que tu as le match sous les yeux il... Sinon il va s'afficher sur l'écran hein, si tu ne l'as pas. Mais on voit déjà que la Pologne est en contre-attaque. Hein. Bon, si, sinon je peux, je peux lancer les hostilités. <laughs> oui effectivement on a la, la Pologne qui est en contre-attaque, une contre-attaque assez bizarre parce qu'ils s'ouvrent pas mal sur la défense. Mais d'un autre côté ils ont une très grosse attaque. Euh, alors que l'Irlande, eux, euh, font euh, du, du, du coup offensif. Oh. Ouais. J'ai des, des petites déconnexions. Il y a des petites déconnexions effectivement. Ah non, c'est cassé C'est cassé le donc y a des déconnexions. Ouais. Ah oui, <laughs> attendez, on a un petit problème. Oh, juste... oui, euh, je disais. Vas-y, vas-y. Je disais du coup, euh, l'Irlande qui euh, joue pas mal offensif parce qu'ils ont une défense très très basse, un gros milieu de terrain pour avoir la possession et un, quand même des fronts d'attaque très intéressants avec 16,5 et 15,25. Mais ça reste quand même des notes assez surprenantes en finale de Coupe d'Europe euh, pour euh, des équipes qui ont sûrement euh, tout consommé pour arriver euh, jusqu'en finale. Et on va voir ce que ça va donner, mais il y aura du but, ça c'est sûr et certain. Qu'on entend toujours. Ah mince, désolé, attendez, ouais, en plus, je crois qu'il y a... Alors, Je vais quand même faire une petite confession pour vous tous, comme ça vous allez comprendre. On a des petits soucis avec Discord, voilà, donc ça peut arriver que parfois il y a des petits problèmes, des petites galères, mais euh, on, va, on va se débrouiller, on va le faire et tout. Par contre, je vois qu'il y a un petit truc par rapport à la prédiction euh, ne votez pas match nul, parce que c'est pas logique. En fait, Irlande-Pologne, qui gagne Bah l'Irlande ou la Pologne, mais le match nul ne comptera pas, donc ne mettez surtout pas de point de chaîne dans match nul. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Oui, oui. ça peut aller aux prolongations. Ouais, mais regarde, la question c'est qui gagne, tu vois Enfin, ça qui est un peu bizarre, tu vois. Euh... Est-ce qu'on parle du gagnant mais ou est-ce qu'on parle de. Quel, tu quel, vois quel, sera, quel sera le résultat, si vous préférez Ok, ok. Bon, alors vous pouvez mettre de match nul si vous voulez. Mais euh, prédiction un peu difficile à comprendre, mais voilà, ok. Irlande ou Irlande, il faut choisir. Ouais, Après, si, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il n'y aura très probablement pas de match nul. Parce que euh, les équipes ne sont pas du tout défensives. Donc, euh... Ouais, ouais, j'avoue. Il, il y aura un gagnant, je pense. D'office, d'office. Ok pour Irlande-Pologne. Est-ce euh, qu'on a récupéré C'est vrai que je pense que Casalek a eu des petits soucis hein, aussi de connexion. On a des problèmes avec Discord, donc on va se débrouiller, on va y arriver. Mais je sais que Casalek euh, va revenir en tout cas. Euh, on peut passer au match si vous voulez chez les U21, peut-être Ouzbékistan-Bénin. En tester un truc pour Discord. Je vais nous basculer sur un autre channel et euh, je vais voir un truc. Ok, Zed va faire des tests aussi. Euh, salut David, David qui nous rejoint. Et, euh... Et donc voilà, on fait des tests de channel. Salut les beaux gosses. Euh... Ah, ah Iketeru qui dit bonjour à tout le monde. Qui Il dit bonjour à tout le monde, sauf à Darcel. Ok, Bon en savoir. Ah, C'est pas gentil ah, pour Darcel. <laughs> Après, je t'ai jamais vu. Je t'ai okay, okay, okay. jamais vu, <laughs> je peux me permettre. Euh... Est-ce que Kasselec Kassel nous a peut-être rejoint Est-ce que tu nous entends, Kasselec Ah non, je crois qu'on a encore un problème. Peut-être pas. C'est pas grave, c'est pas grave, on va, on va y arriver. Mais que si tu nous entends, sache que euh, nous on ne t'entend pas. Voilà, comme ça, c'est pas qu'on t'ignore, tu vois, si tu parles, c'est juste qu'on t'entend pas et ça peut arriver. Mais écoute, Darcel, on va passer sur Ouzbékistan-Bénin, si tu veux bien. Comme ça, on va regarder un petit peu euh, ce que ça donne. L'Ouzbékistan qui avait mené, qui a gagné 2-0 au match aller, je vois. Et qui affronte un Bénin qui ouais. euh, va devoir faire quelque chose. Ouais. Mais ça va être compliqué pour le Bénin qui avait donné pas mal de force au match aller et qui là doit sortir une contre-attaque. Il paraît un peu légère euh, parce que l'Ouzbékistan a la possession, a un front d'attaque intéressant à gauche. Euh, le Bénin peut l'emporter, mais pour l'emporter par deux buts, ça va être compliqué. Pas facile, ouais, euh, On va voir ce que ça va donner. Tout à fait et, euh, et je vois Kiteru qui dit oh le grand cassé qui est presque là ouais il est presque là donc on l'a pas annoncé comme invité parce qu'on n'était on était pas sûr s'il était là pas. ou pas il va presque arriver normalement je non non c'est vraiment je pense que c'est vraiment Discord des des problèmes connexion Discord etc donc on va faire avec et alors tu nous parlais de l'Algérie ça moi tu m'as mis l'eau à la bouche avec euh, l'Algérie de chercheurs qui euh, ne s'est plus qualifié depuis très longtemps c'est ça ou qui ne s'est jamais qualifié je sais plus ce que tu avais dit. Euh, plus depuis très très longtemps. Okay. Euh faudrait que je regarde s'ils si, si ont déjà été en Coupe du Monde du 20, mais je crois. Euh, et là, oui, ils ont fait un très très bon début de, de mandat. Euh, chercheur a, a été surpris lui-même du, du, de la réussite de l'Algérie, même si la, la génération commence à être sympa. Et euh, malheureusement, ils ont eu quelques manques de chance euh, vers la fin pour euh, valider la qualification et ils doivent passer par les barrages. Et, et au match aller, ils ont perdu 2-0 contre la Géorgie, mais là, on est quand même sur un, un, un presque un 50-50 sur ce match. Donc potentiellement, ça pourrait le pourrait tourner du bon côté on verra ce que ça donne ok on croise les doigts en tout cas pour ce serait cool d'avoir un français un français en plus aller en coupe du monde en tout cas enfin un sélectionneur français donc ça peut être sympa en tout cas et puis un, un, une comment dire une nation aussi qui est appréciée des gens donc ce serait cool effectivement euh, comme tu dis il y a quand même le désavantage du 2-0 au match aller donc il euh, faut que l'Algérie marque des buts en tout cas clairement euh, salut ouais, Alpa pas dans le chat aussi. Est-ce que je vais refaire un test Attention, ça va être un peu le fil rouge là de notre petite émission. Est-ce que tu nous entends, Kasselec Qu Est-ce que ça fonctionne Ah non on a vraiment pas de chance mais je vous promets qu'il est avec nous hein. il, il est c'est comme si on était <laughs> tu sais on est dans une pièce bon il est un peu plus loin et il il est t'sais, il a il a un truc sur se casse euh... là qu'est-ce qu'il est avec nous dans cette euh, dans la pièce <rire> <rire> non mais tu sais il a un truc t'sais, sur, sur la bouche là un, un tape ou je sais pas comment dire un, tu un truc où il peut pas parler et, ouh, 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 <laughs> mais il est là avec nous quoi <laughs> Bah écoute, euh... Ouais, on est... je, je vois qu'en plus Z est en train de faire des tests hein, dans l'ombre pour essayer que ça fonctionne, donc on va voir. Est-ce que Kasek, qu est tu nous entends On essaie une dernière fois. Enfin, pas une dernière fois, mais on va rester quand même une fois pour voir. Puis on restera de temps en temps. L'esprit de Kasselec est parmi nous, ouais, c'est vraiment ça. Quoi. Je suis l'invité fantôme. En tout cas, il est dans le chat, voilà il le prouve bien qu'il est là, on ne raconte pas n'importe quoi. Incroyable. Il suffit de dire que c'est plié, je suis sûr qu'il va parler. Ouais, ouais. Alors, on va parler du championnat avec Kasselec. On parlera de ça après, quand il sera avec nous. Euh, incroyable, ça ne veut pas. C'est vraiment, euh, genre, ça ne veut pas. Mais bon, on va réessayer. Kasselec, n'hésite pas tantôt à faire des, des petites phrases, des petits mots, et si on t'entend, on te le dira. Et, Darcel, on va continuer les matchs, parce qu'il y a quand même, euh, d'autres beaux matchs, parce qu'il y a le T4. Donc là, on approche de la fin de la Coupe du Monde. Ça va aller vite maintenant. On est vers la fin de la saison aussi, c'est normal. Belgique, Roumanie. Alors, la Belgique de, Lexgue, Lexge. Que je dis pas de bêtises, c'est bien de Lexge. La Belgique qui est menée par Lexge, qui affronte la Roumanie. Et donc, la Belgique qui est en 4-4-2. 4-4-2, assez, on voit ça régulièrement. En tout cas, du côté de la Belgique, c'est assez, euh, assez sympa. Avec euh, 4-4-2 bah, contre-attaque. Moi, moi. Oui. Moi j'adore euh, le 4-4-2 contre-attaque. C'est ouais. une euh, composition qui va jouer la contre-attaque mais aussi la possession qui couvre pas mal de possibilités. C'est très utilisé en... en équipe nationale. Et bah, le... comme tu dis, l'équipe a déjà pas mal euh, euh, réussi par le passé. Donc là il retente sa chance euh, face à la Roumanie et je pense que c'est très pertinent d'avoir de... sorti ça. Et il se retrouve avec 35 de, de au milieu de terrain et en général pour qu'une contre-attaque en, en 4-4-2 soit très réussie, il faut être aux alentours des 35-40 ouais. Donc euh, il est en plein dedans et beau. on va voir ce que ça va donner. Ouais ah, c'est beau en tout cas, belle compo je trouve, ouais effectivement, une belle contre-attaque, comme tu aimes en plus c'est vrai. Tu nous avais déjà dit ça je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, parce que la Belgique c'est pas la première fois qu'ils font ça, et ils font des belles contre-attaques be contre en 4-4-2 en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, ouais. on va suivre ça, on va espérer en tout cas euh, que, que ça se passe bien. Et le dernier match qu'on va suivre en fil rouge aussi, ça sera Allemagne-Canada, parce que c'est un peu le groupe de la mort en tout cas euh, dans ce T4, c'est le groupe D si je dis pas de bêtises, enfin, c'est le quatrième <laughs> groupe. Peut-être. Euh... Ouais, C'est un <laughs> des groupes. C'est ouais, un gros groupe avec euh, l'Angleterre, l'Espagne, le Canada, l'Allemagne. Et là, on a euh, euh, Allemagne-Canada avec euh, l'Allemagne qui est toujours un très gros morceau. Et ouais. le Canada s'y attendait parce qu'ils sortent une belle contre-attaque avec une grosse, grosse défense et euh, des fronts d'attaque peuvent être intéressants. Euh, mais bon, il y a quand même un, un avantage pour l'Allemagne sur, sur ce point. On verra ce que ça donne. Exactement. Et IKETERU qui dit qu'au Canada. Ah oui, t'es pas, au... pas au Canada aussi, en fait. Peut-être que je confonds, mais euh, je me demande si IKETERU n'est pas aussi au Canada. Ah bon, on verra. Euh, ok, donc voilà, en tout cas, pour les matchs qu'on va suivre. Je suis à Ottawa. Ouais, c'est ça, il me semblait bien, il me semblait bien que t'étais euh, au Canada aussi. donc ah, euh, C'est pour toi qu'on suit ce match. <laughs> ça fait un peu ça, tu vois. Non, mais c'est chouette, c'est <laughs> cool, c'est cool. Tu es concerné aussi dans ce cas-là, donc ça fait plaisir, en tout cas, euh, de voir ça. Et donc, voilà, pour les matchs. Oui, uh, Z. Non, non, c'est euh, Discord qui, euh, qui est complètement euh, foireux ce soir. Tu penses Ok, ok, ça marche chez certains mais pas chez d'autres, c'est ça Donc en fait, euh... moi j'ai carrément dû redémarrer Discord, euh, si tu nous entends, et euh, j'ai dû euh, revenir ici et j'ai dû attendre quelques secondes avant d'avoir de nouveau la, la voix qui vient. J'ai voilà. En ok. Redémarrer le PC parce que le truc euh, chie de tous les côtés. Ok, bah merci Zed pour les infos. Donc euh, voilà, on est désolé, on pensait avoir Casselek, on l'a pas vraiment. On, on verra, c'est pas encore fini, peut-être qu'il arrivera, mais euh, on espère en tout cas que ça va aller. On espère que Casselek pourra nous rejoindre, parce qu'on a quand même pas mal de questions à lui poser aussi, un peu sur le championnat, ça va être sympa de voir un peu comment, comment il sent la fin de saison, etc. Donc, euh... Donc on verra. Mais écoutez, si vous voulez, en attendant, on va peut-être pas parler des actualités là tout de suite, parce que justement on va attendre aussi que Casselek revienne. Mais but de l'Irlande euh, non, bah, euh, non, bien vu Zed, but de l'Irlande, effectivement. Alors je le vois sur le stream, hein, parce que je ne mais euh, pas sur le stream. Voilà. Est mon but de l'Irlande. Caselak, euh, il le dit dans le chat, c'est triste que ça arrive aujourd'hui. Peut-être que si c'était arrivé le jour de la finale, j'aurais gagné. C'est vrai, finalement. <laughs> ça ça. Donc, enfin, comme je disais, Caselak, si tu nous entends. Euh, coupe Discord sur ton PC, donc mais vraiment coupé euh, s'il est dans un gestionnaire de tâches ou un truc pareil. Moi, j'ai carrément redémarré le PC. Tu nous rejoins sur le salon et tu dois attendre quelques secondes, voire une ou deux minutes, et à un moment, tu vas nous entendre. C'est le temps qui se connecte. Le truc est complètement. Euh... — Je pense que ça doit être complètement planté chez eux. Donc euh, voilà. — C'est possible. OK. Kasselek a entendu. En attendant Casselec, on va quand même continuer. Je pense qu'on va pas parler des actualités, ni... Euh, on va parler plutôt de la tribu des supporters. Comme ça, ça concerne peut-être pas directement casselec Et euh, comme ça, il pourra nous rejoindre après pour, le, pour les autres sujets. Et on a reçu un petit peu de courrier. C'est euh, le courrier habituel de, de Katox, en tout cas. Donc euh, merci beaucoup encore à lui, qui fait un peu son dernier résumé du tournoi 2024 Crédit. Donc c'était le tournoi voilà, où il y avait beaucoup de gens de la communauté qui étaient investis dedans. Et donc c'est le dernier résumé parce que c'était la dernière journée. Et donc euh, voilà ce qu'il nous a raconté, On le remercie encore énormément parce que d'avoir ce petit suivi toutes les semaines, c'était vraiment un plaisir. Donc euh, merci beaucoup Katox. Si tu nous entends, euh, c'était chouette. Et donc Katox nous dit. Le tournoi 2024 Crédit est maintenant terminé. Le grand vainqueur est Vala qui n'aura concédé qu'un seul match nul lors de la quatrième journée face à 7 kills. Slanor gagne son dernier match à domicile face au boiteux brestois de Grand Vins 2-0. Les locaux étaient organisés en 3-5-2 et les visiteurs étaient venus pour défendre en 4-5-1 pressing, annulant au total 3 occasions adverses. Le premier but a été inscrit au centre à la 30e minute et le second est intervenu à la 71e minute. Slanor termine aussi meilleure défense avec seulement 12 buts encaissés. Son dauphin est Petit Filou qui n'a pas tremblé contre Dapidu, bon ça c'était facile, le battant 4-0. Au coup d'envoi, filou dominait la quasi-totalité des secteurs de jeu et le score final était déjà acquis à la mi-temps. Filou termine meilleure attaque du tournoi avec 65 buts marqués, n'aura concédé qu'une seule défaite face à Slanor en J5, ainsi qu'un unique match nul contre France en J3. Le FC Bruxelles complète le podium suite à sa victoire contre Fabio 7-0. Il termine également deuxième meilleure attaque du tournoi avec 62 buts et son buteur imprévisible est le Soulier d'Or, avec 20 buts marqués dont un doublé lors de son dernier match. La médaille en chocolat revient à Granada Football de Giortega qui a battu le Cercle Athlétique Messin de Naka 1-3. Giortega termine également deuxième meilleure défense du tournoi. Le gros duel de cette dernière journée se joue entre le FC Sedan de 7 kills et Veridisco FC de Darcel. Le vainqueur de ce match obtenait la 5 place. C'est finalement Darcel qui l'a emporté sur le terrain de son adversaire direct 0-2. Sa défaite conjuguée à la victoire de Alpa 4-0 contre Rastov a fait dégringoler 7 kills à 7ème place du classement. Euh, on, alors petit clin d'œil de Katox à la fin en fait je découvre avec vous hein, j'avais lu vite fait le début mais alors le petit clin d'œil de Katox c'est on espère maintenant retrouver toutes ces équipes dans un futur tournoi officiel acheté actuellement. c'est vrai il a raison il a pas tort en tout cas, c'était cool. Euh, merci beaucoup à Katox. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont joué le jeu, mais surtout aussi merci à Fabio qui a organisé ce tournoi. C'était vraiment cool. Et c'est vrai qu'on va essayer de voir si on peut pas euh, organiser, euh, comme on avait dit, on, on va regarder pour organiser quelque chose dans ce style. Euh, pourquoi pas la saison prochaine Mais voilà, c'est en discussion avec nous, enfin avec nous entre l'équipe, etc. Mais euh, ça serait chouette d'avoir un tournoi aussi euh, acheter Actu, effectivement, parce qu'on a vu que ça a bien passionné les gens. Mais Darcel, euh, belle place aussi. T'as fait quoi C'était 5 cinquième, c'est ça hein euh, Ouais. Pourtant, j'ai pas M'investir assez sur ce tournoi parce que mon équipe est en construction, là, donc euh, je le ferai mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'était quand même sympa en fait que les gens s'affrontent. Moi, j'ai, je pense, un match sur deux, j'ai oublié de faire ma compo parce que les lundis, je suis vraiment pas focus pour faire mes compos à trick, donc euh, problème un peu de compo, même si honnêtement, j'aurais pas fait beaucoup mieux que ce que j'ai fait là de toute façon, parce qu'il y avait quand même des, des grosses équipes. Mais euh, franchement, euh, c'était chouette de voir tout le monde investi et de voir un peu euh, tout ça. Euh, c'était cool en tout cas. Merci beaucoup, euh, Katox et Fabio, pour, euh, pour l'organisation. Et donc voilà pour euh, la tribune des supporters. Est-ce que. Euh, alors, on va retester, attention. On va retester. Est-ce que Kasek, qu est tu nous entends Ah mince <laughs> J'espérais tellement que ça marche je, je crois qu'on l'a entendu quand même un tout petit... On l'a entendu quelques secondes je suis même pas sûr qu'on l'a entendu. Parce que c'est cool, les gens ils sont en train de se dire mais en fait ils disent n'importe quoi, il est pas là, tu vois. <laughs> je vous jure qu'il est là. Mais euh, je crois que ça veut pas. Ça veut vraiment vraiment pas, c'est un truc de fou. Euh, attendez. Je vérifie qu'il est pas mute de mon côté, mais c'est impossible. On a parlé avant, avec lui avant l'émission et ça marchait, donc euh, très bizarre. Écoutez, c'est pas grave, on va quand même enchaîner si ça vous va. On va espérer que ça va marcher à un moment ou à un autre. Euh, moi j'aurais bien voulu parler... Euh, bah finalement, on n'a pas trop de sujets. Il y a quand même les actualités. Il y a une actualité. Pense. Exactement. Il y a une actualité quand même. Ils ont pensé à nous ils ont fait sortir juste avant l'émission l'actualité euh, du jour. Darcel, de quoi ça parle Alors, ça parle des changements d'horaire pour certaines ligues. Euh, ils expliquent en fait qu'à l'époque, quand ils ont créé, qu'ils ont étendu en fait les ligues sur Atrique, qu'ils ont créé. C'était en Amérique du Nord, donc le les états unis le Canada, le Mexique, même l'Amérique du Sud avec le Brésil, etc. Euh, C'était au début d'Atric et euh, le serveur était encore euh, hosté sur une petite patate euh, qui euh, tenait euh, du bout des bras. <laughs> et euh, du coup, il ne pouvait pas se permettre de générer tous les matchs en même temps. Donc ça, ça pouvait... du serveur. Et euh, dans ce but-là, ils avaient réparti les matchs du jeudi soir, de souvenir, jusqu'au lundi. Et bah, le problème, c'est que de ne pas avoir son match le, le, le week-end, comme tout le monde, c'est un petit peu problématique. Ça vous met un petit peu à part. Il y a pas mal de gens qui ne veulent pas rejoindre, bah, par exemple, El Salvador ou le Guatemala, parce que les matchs ne sont pas le samedi ou le dimanche, et qui ne peuvent pas les suivre. Donc, ils ont répondu à ça. Et ils vont déplacer les matchs le week-end, mais avant ça, ils font un sondage euh, dans les ligues concernées, sur le forum des ligues concernées, pour savoir ce qu'en pensent les gens. Euh, pour pas faire quelque chose contre, à contre cœur de la, de la communauté. Mais, mais, mais c'est sympa, en tout cas qu'ils demandent l'avis des gens et qu'ils proposent ça. Ouais, j'avoue. C'est vrai que le sondage c'est quand même cool. Au moins, ils imposent pas un truc en disant ça sera le samedi telle heure, machin. Les gens peuvent un peu. Voilà. Et donc, Kesselek serait de nouveau avec nous. Kesselek, es-tu là Normalement, oui. Magnifique. Tu ne touches plus à rien, tu restes là. Ah, c'est Discord qui ne touche plus à rien. Il Faut que Discord ne touche plus à rien. C'est intéressant de ne plus toucher à Discord parce que quand tu quittes le salon et que tu reviens, effectivement, ça déconne. Je me suis fait avoir tout à l'heure en voulant tester. Écoute parfait, euh, donc là Casséle, comme ça tu sais, on est en train de parler de l'actualité, la, la actualité. <laughs> actualité. Oui, J'ai Voilà, du jour. Euh, bon. Je, je suis sur Twitch du coup. <laughs> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, voilà, finalement, ça ne nous concerne pas directement, mais petit... Ça concerne Darcel. Ça concerne Darcel euh, ah, Non, il n'y a pas le Canada, je crois. Attends. Non, ça ne me concerne pas. Non, il n'y a pas le Canada. pas. Ah. C'est vrai, c'est vrai, t'es dans le... trop vite. Oui. Je... Y... Euh, le Canada est déjà euh, le dimanche si je dis pas de bêtises. Et euh, un peu l'occasion de voir avec tout le monde parce que entre les Belges et les Français, il y a déjà une grande différence, tu vois, vu que la France, vous c'est le samedi à 21h, 20h ou 21h, j'ai un doute. 21h. 21h et en Belgique, c'est le euh, dimanche, donc c'est le lendemain à 13h 13h ou 13h30. Non, 13h, ouais, c'est ça. Donc, c'est déjà une grosse différence. Est-ce que vous êtes content du jour euh, de match de championnat On va parler, on va pas commencer à parler des coupes et tout, mais on va dire pour le championnat. Est-ce que vous, ça vous va le samedi 21h Et les Belges dans le chat, je vois qu'il y a France d'ailleurs que je salue aussi. Euh, est-ce que vous êtes content aussi de votre horaire Et alors, Iketeru, c'était un club au Canada, je sais pas, tu peux nous dire aussi si t'es content de l'horaire du Canada. Mais vous en pensez quoi, vous, de l'horaire euh... En fait, est-ce que vous auriez préféré le samedi soir ou le dimanche après-midi Ça, c'est une bonne question. Qui veut commencer moi, j'aime bien le samedi soir. J'y suis habitué et j'ai toujours préféré le samedi soir. Mais bon. Ok, <laughs> très bien. Bah ouais, à fond, bah pourquoi pas, tu vois, je, je peux comprendre. Euh, est-ce que... est-ce que. Bah, D'abord, je vais demander peut-être aussi à Casselec. Euh, toi, est-ce que ça te va vale le samedi soir T'aurais préféré le dimanche ou c'est très bien euh... oh, Comme j'ai l'habitude, la routine du samedi, ça me ça va. Là, j'ai commencé une équipe en Tunisie il y a quelques mois. Et les matchs sont le dimanche et c'est très frustrant d'attendre. <laughs> surtout que, alors les matchs sont le dimanche, mais la mage entraînement est le jeudi. Donc on peut faire la compo trois jours en avance. Ça c'est bien par contre. Et à <laughs> chaque fois, euh, j'ai hâte que ça soit fini. Et surtout les tirages de jeunes, c'est seulement le dimanche matin. Et ça, euh, c'est dur de pouvoir tirer trois jeunes et d'attendre un jour pour le, pour le dernier. <laughs> mais euh, je vois que dans le chat ça a l'air. En fait, c'est une question d'habitude. On a tous nos habitudes. Parce que moi, honnêtement, enfin, en Belgique, le dimanche à 13h, ça me va. Parce que tu vois, j'ai l'habitude. Et c'est vrai que parfois le samedi. Tu sais, parfois je me dis. Enfin, je sais pas comment dire. Mais euh, maintenant, j'ai l'habitude. Imagine, je suis en soirée. Tu vois, je suis quelque part chez des amis, dans un bar. J'en sais rien. Mais c'est vrai que. Tu vois, là, je me dis. bah Au moins, tu sais, je dois pas regarder mon téléphone pour voir le match, tu vois, par exemple. Alors que le dimanche, tu vois, généralement, je suis chez moi le dimanche à 13h. Je, je, tu vois, donc. Il y a ce côté-là qui me va aussi. Après, je pense que si c'était le samedi soir, bah finalement, euh, je regarderais quand même tu vois, le match sur le téléphone. Donc, en gros, euh, je ne sais pas. Ouais, c les deux sont bien, euh, honnêtement. C'est dit quoi, en fait, dans le, dans le chat Ah oui, c'est dimanche à 17h pour le Canada, je pense, pour Iketero. Euh, content de l'horaire pour les matchs en France, pour Mev. Euh, Iketero qui est content. Il vit son match après tout le monde. ouais j'avoue que dimanche à 17h. Mais il y a juste le Burkina Faso qui est après toi, à mon avis. Enfin, en tout cas, dans les, dans les nations qu'on connaît. Euh, je crois que le Burkina Faso, c'est 18h30, si je pas de bêtises, le dimanche. Euh, le match du samedi soir anime la soirée. Ouais, c'est vrai que j'avoue que ça peut animer la soirée. Et c'est vrai que peut-être les gens qui se connaissent et qui jouent à tricks, ça peut être marrant le samedi soir de se retrouver et de regarder les matchs ensemble. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté sympa aussi pour ça, j'avoue. Euh, en fait, en France, il a quelle heure le tirage du centre de formation De l'académie Le dimanche, à 4h du matin. Le dimanche C'est ça En France, c'est à 4h du matin et. Okay. En Belgique, c'est le dimanche matin, c'est ça euh, Ouais, c'est ça. Euh, dimanche, à... je crois que c'est même 3h du matin en Belgique, ou ou entre 1h et 3h, j'ai un doute. Ah, c'est le 3h30 samedi. Ok, c'est le 3h30 samedi. Et en Belgique, c'est le dimanche, plus ou moins vers les mêmes horaires, c'est genre très tard. Euh... Et 3h, c'est vraiment le pire horaire parce que. Bah ouais. Que dans, dans les deux sens, se lever plus tôt ou se coucher plus <laughs> tard, c'est. C'est impossible. <laughs> Ouais, j'avoue que c'est un peu vache comme erreur aussi. Mais on me dit qu'on a un peu le même. Hein. Je sais plus exactement, peut-être que France, s'il y a d'autres belges qui sont là, ils auront l'horaire exacte, mais c'est un peu pareil. Ça doit être genre vers deux... aux alentours des deux heures, une heure et demie, deux et heures, je pense. Le Bénin qui vient de mettre un but face à Ouzbékistan. Excellent, excellent. But du Bénin qui refait un peu oh, son retard. Bon. Très bien, très très bien. De retard de 2-0, donc euh, il rattrape déjà un but. Très très bien pour le Bénin. Euh, ok, donc voilà pour, euh, pour les actualités. Il y a eu que ça vraiment dans les actualités. Mais je pense qu'on peut parler d'une autre... C'est pas vraiment une actualité, vu que c'est un peu un fil rouge. Mais comme on a la chance d'avoir Casselec avec nous, promis Casselec, je vais tout faire pour ne pas te porter la poisse. Je vais pas faire des phrases toutes faites qui font que blablabla, bla bla, tu vois, pas du tout. Mais on peut parler un peu de, du championnat. Parce que comme du temps, tu es là pour un peu... Tu peux nous expliquer un peu et tout. Euh, donc on voit que le FC Mistral gagnant, euh, pour l'instant... Genre, est bien dans le championnat. J'essaie de. Tu vois, je pèse mes mots, hein, attention, tu vois. Mais, euh, l'essai Mistral gagnant qui est bien. Toujours en coupe aussi. Attends, est-ce qu'on peut voir aussi la coupe Attends. Parce que je vais, je vais essayer d'afficher oui. de championnat et coupe. Hein, comme ça, on, on, on aura vraiment tout. Euh, la coupe, on est au quart de finale. Hein, je... ah, en demi-finale, pardon. Oui, final. Demi-finale. Donc, on va commencer peut-être par la coupe. Euh, je vois que tu vas jouer contre Samoro 77, qui est donc une équipe de division 4. Ok. Et il reste Figuez City, que ça, on connaît, euh, de mode Gofio en Division 2. Euh, oui, c'est ça, pardon. Et j'ai cliqué sur le mauvais, c'était quoi C'est l'Opérexport, pardon. L'Opérexport qui est euh, en championnat. Oui, bien sûr, de Nico, ok. En championnat, donc, euh, ok. Donc, au niveau de la Coupe, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Est-ce que tu as eu des grosses frayeurs ou ça a été Comment ça s'est passé ton voyage en Coupe jusque-là maintenant, jusqu'à les demi-finales Alors, bon, le, le début à chaque fois. Euh... Ça se passe sans problème. À partir de la mi-saison, il commence à y avoir des gros adversaires. Et euh, au tour 10, j'ai joué contre Polac. Ah. Et <laughs> c'est pas la première fois que je joue en coupe. La fois d'avant, il avait fait un 5-2-3-CA. <laughs> Cette saison, aux deux tours précédents, il avait fait un 5-2-3-CA. J'ai regardé il y a quelques saisons, il avait joué contre Hotshot en coupe. Il avait fait un 5-2-3-CA. Donc, je me suis dit, c'est parfait, c'est un bon spot, il va refaire ça. Donc, moi, je joue en pique, je monte pas trop le milieu, et ça va passer. Ok. Non, je sais pas si t'as le match. Je suis en train, de, de... Si le match, suis en train de galérer. C'est les tangos Non, attends, il est où, Polatch C'est les tangos. Ah, c'est les tangos, oui. ok, oui, j'ai fait les autres avant sans regarder vraiment les noms. Là, je vois les tangos. Voilà, donc là, je suis sur le match. Ah, oui, 6-4, 6-4, ah oui, il y a eu du but en tout cas. Euh, Vas-y. Ah bah en fait, il n'a pas du tout joué son 5 2 3 c <laughs> Il a joué en 3-5-2, et du coup, il a largement la possession. Euh, attends, il a joué Comme en 2-5-3, tu, en, en tu veux dire Ah oui, c'est ça. C'est à la fin du match. Mais ah oui. Au okay. début, est... Il a eu un carton rouge à la 15 e minute environ. Ah oui, effectivement. Ah oui, donc, euh, okay. ok. Et malgré ça, il était quand même largement favori parce qu'il a largement le milieu. Tu mets les notes, tu vois que je suis à poil en défense et je pas le milieu. Et les notes. Ouais, je regardais, pardon, ouais, je regardais. C'est vrai que l'exclu, il a eu très rapidement, quoi. Vraiment pas de bol. Et au niveau des notes, alors au début du match, ça donnait... Euh... Ah oui, ok. Ah il était vraiment bien, Poladge, au niveau des notes au début du match en tout cas. Et puis j'imagine. Ah mais même de manière générale, il était bien en fait. On est d'accord, il était favori quand même là. Un euh... hein, Kasselec. Oh non, je crains qu'on ait peut-être perdu Kasselec, -E ça serait horrible. On n'aura pas la fin. Non, 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 c'est pas possible. Est-ce que tu m'entends Cassélec -E Il est toujours sur le channel Discord, mais je pense que... Aïe, 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 aïe. Non. Mais par contre, là, au niveau en du fait, match, est... on est d'accord. C'est déco reco donc le temps qui se reco. Ouais, il nous il va entend. De nouveau un petit temps avant il nous, entende. Il nous il il entend. En... L'occasion de saluer euh, GG on Teach. Salut GG euh, qui nous rejoint n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat on a des petits problèmes Discord mais ça arrive souvent les vendredis hein. donc maintenant on commence à être un peu habitué malheureusement euh, c'est un peu dommage mais, euh, mais voilà on va faire avec donc euh, on a cassé avec nous qui va parler un peu de sa fin de saison mais euh, on espère qu'on aura la suite de l'histoire donc euh, voilà, je pense que avec nous entend mais on va attendre un petit peu en tout cas s'il peut revenir on est d'accord pour dire que Darcel toi qui analyse souvent bien les matchs c'est euh, Polage qui est largement favori sur le match quand même même malgré son Allô sa réduction, ah Kassel on te retrouve content de te retrouver Okay. moi j'avais rien touché parce Discord... Ah non c'est Discord non clairement, t'inquiète, ça c'est vraiment ça peut être que Discord bien sûr. Donc on est d'accord que Polac était quand même euh, well euh, plutôt favori quand même tout le long du match en fait. Ouais tout le long du match. J'ai payé les replays. Okay. Les replays ils disent 86 14 pour lui. <laughs> Donc une chance sur 7 de passer. <laughs> et, et en plus quand tu vois le déroulement du match. On voit 0-1. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Et nous a nouveau quitté et revenu, donc il ne plus parler. Ok, ok. Mais c'est bien, on a, <laughs> a l'histoire petit à petit. Je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire. C'est Ouais c'est ouais, vraiment ça. mais on peut je rien faire, on peut y passer sur, euh, un, sur un autre outil. Ouais, non, c'est ça, il n'y a aucune autre façon euh... Ça peut pas être le serveur acheté. Enfin tu vois genre les serveurs alors que si on s'appelait en direct ça pourrait il y aurait les mêmes ah, problèmes vous pensez On peut changer la région des serveurs. On changer la sur une autre zone du globe mais on ne peut plus. Alors... Non mais tu vois je veux dire si, si, si je vous appelle vous, je crée un groupe et je vous appelle non. directement, ça ne marchera pas mieux C'est une idée hein. Je suis pas sûr, c'est hosté chez eux donc euh, je sais pas je sais pas le problème qu'ils ont donc, euh, on peut toujours tester mais on risque de faire pire. Ouais mais bah, bah après franchement est-ce qu'on peut faire pire que ce qu'on fait là maintenant je sais pas. Hein. Bah, tu mets un petit écran d'attente et puis on revient dans deux minutes alors. Euh, non, sinon je peux combler et le faire en même temps. Tu vois, tout en comblant, ça, ça peut aller aussi. Vous en pensez quoi le chat Est-ce qu'on tente quelque chose Faites des tests les gars. On vous en voudra pas du temps de l'attente. Non mais vous en faites pas. De toute façon, je vais ah, quand même combler. Genre, en fait, c est, c est, c est je vais, euh, je vais. En fait, je vais me déconnecter discrètement. Vous n'allez rien entendre. Et là, vous, avez, la magie va faire qu'en fait, euh, je vais faire ça en même temps que je vous parle. Donc déjà, j'ai besoin un peu de vous parce que euh, j'ai besoin que vous me racontiez votre fin de saison. Et en plus, alors vous savez, parce qu'il y a toujours des petits problèmes, c'est qu'en plus je crois que je ne suis même pas ami avec Kasselec dans Discord, donc je dois lui, l'ajouter comme ami, je pense. Mais on va y arriver, on va y arriver. Comment se passe votre fin de saison Et euh... donc déjà, on va inviter Darcel, on va inviter Z, ah oui c'est Seb, euh Z pardon. Et euh... ah Casselik, je ne peux pas l'inviter. Ok c'est pas grave, j'ai déjà créé le groupe euh, comme ça, c'est pas grave. Et euh, pas d'argent sur cette chaîne. Oh, on n'a vraiment pas de budget, on n'a pas d'argent, bien évidemment. Et, euh, et donc voilà, là on est tous ici, on va démarrer l'appel, on va rejoindre l'appel, bien évidemment, bien vu, Z. Donc normalement, on est tous les quatre, euh, on va se retrouver dans un groupe privé, donc on ne sera pas sur notre Discord habituel, on, on déménage un petit peu. Est-ce que ça marche On va tester. Si ça marche pas mieux, on rebougera, C'est pas grave. Est-ce que, Darcel, tu m'entends est-ce que Z, tu m'entends <laughs> Ça va être un enfer, ok. <laughs> Est-ce que Casselek, tu m'entends Non, je pense pas. Ok, donc il y a vraiment des soucis. Euh... Ok, bon, désolé. On a essayé. Non, 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 ok. Je vois des noms dans le chat. C'est pas grave, écoutez, on revoit dans le channel comme tout à l'heure et je pense qu'on a fait... Ah, peut-être attendre deux minutes, nous disait C'est vrai qu'on va attendre deux minutes quand même au cas où, parce que c'est au lieu de bouger. Euh, comment se passe votre fin de saison dans le chat Est-ce que des gens peuvent nous raconter Est-ce que vous avez une bonne fin de saison Est-ce que vous jouez quelque chose Est-ce qu'il euh, ne se passe rien Moi, je ne vous, ra vous raconte pas que, autant avec le 10 crédits, il y a un peu suspense parce qu'on peut peut-être essayer. Enfin, normalement, on peut jouer la deuxième place et la première, ça dépend d'un adversaire qui est très fort. Donc ça, ça va être un peu compliqué. Ça ne dépend plus de nous. Mais avec mon club belge, par contre, honnêtement, euh, il ne va rien se passer parce que je suis un peu en reconstruction. Euh, Mef qui nous dit à la, à la lutte en haut de classement en D6, en ligue anniversaire, ça va être compliqué d'aller chercher la première place. Ah je suis qu'il y a un match de l'année pour moi au Népal. Ah t'es premier t'affrontes le deuxième ou t'es deuxième t'affrontes le premier je suppose. Donc euh, pas mal pas mal. Euh, attendez si je fais ça non ok euh, exactement ok t'es premier t'affrontes le deuxième ah oui donc en gros si tu gagnes tu peux quasiment être champion j'imagine donc euh, ah ouais gros match au Népal en plus ouais ça fait partie des nouvelles nations euh, c'était en même temps que le... attends le Népal c'était en même temps que le Burkina Faso non il y a 3-4 saisons il y a quatre saisons Premier, j'affronte le deuxième. Donc, c'est encore une nouvelle nation en fait. T'es en quelle division Quatre saisons. Ouais, c'est ça, ok. Euh, D3. Ah, pas mal. Maintien en D5, quasiment acquis en France pour Mev. Ok, très bien. Et. Euh... Bon, j'ai perdu toute l'équipe, c'est horrible, c'est horrible. Euh... Bon, je vais, je vais mettre un petit message quand même. On revient dans le, dans le channel HT euh... Actu, hein, je pense. On va y arriver. On va y arriver. Donc, voilà. Euh... Le principal, c'est toi. <laughs> Et on attend. Ouais, ouais, désolé. C'est horrible. C'est horrible, ça. Et finalement, heureusement qu'on ne fait qu'une heure ce soir. Parce qu'imaginez deux heures avec un invité. Bah, Kassalek, on le connaît. Kassalek, il fait partie de la maison. Il est là depuis... Il est venu tellement de fois que finalement, un problème technique, il va pas mal le prendre. Ça va, tu vois. Il est habitué des problèmes techniques éventuellement. Mais euh, imaginez un invité qu'on reçoit la première fois, il n'y a rien qui marche, c'est... Voilà, une très mauvaise... Euh, très mauvaise euh, chose pour l'inviter, quoi. Je me croirais au taf, rien qui va, nous disait. Ouais, c'est vrai. <laughs> ah ouais, là, ça ne marche même plus du tout. Ok, j'ai vraiment... Alors, c'était la pire erreur, parce que dans ce cas-là, je me retrouve tout seul, mais c'est pas grave, ça va sûrement revenir. Euh, GG qui nous dit, la lutte pour rester en D4, la saison de la malchance, je constate que la valeur de mon équipe baisse dans cette ligue, j'hésite à rétrograder volontairement. Euh, Casselle qui nous dit, Darcel se moquait des serveurs de la trique tout à l'heure, mais ceux de Discord, c'est pas mieux. Ouais, les serveurs sur les patates. Ah c'est fou. En fait, en gros pour faire simple comme ça, vous savez, hein, on, autant vous le dire, euh, quand on se connecte sur les serveurs euh, Discord, en fait, euh, c'est en attente. Donc en fait, en gros, euh, là je suis connecté, mais en fait vous m'entendez parce que moi mon son passe directement de mon PC chez vous, mais les gens donc euh, Darcel, Z et, euh, et Kasselec, le son doit passer dans mon PC pour que vous puissiez l'entendre. Enfin voilà, donc c'est ça tout le problème. Mais vous pouvez quand même m'entendre. Au moins euh, c'est déjà un début. Alors c'est bon, pas de chance, c'est moi que vous entendez, mais. Euh... <laughs> Euh, je pense que Discord a racheté les vieux serveurs d'atrique. Et le pire, c'est que Discord, il demande de plus en plus d'argent, mais euh, je, je n'arrive plus à me connecter. Ouais, euh, mais t'inquiète, darcel Je sais pas si tu nous entendons aussi darcel sur le <laughs> sur le live, mais je crois qu'en fait, ça, on a. Moi, moi, moi c'est pareil. Ça met en attente du terminal. Euh, ça se connecte même plus non plus, en gros. Donc euh, voilà. Écoutez, on va faire avec. C'est dommage. On a, oh, franchement, on a. En plus, on avait cassé. Attendez, je vais me déconnecter, me reconnecter pour voir. Je tente des choses. Hein. En attente. Ah, OK, Discord. Bon, écoutez, il faudra qu'on trouve une solution de secours. Je pense qu'avec Z, euh, on va réfléchir à une solution peut-être de secours. Euh, parce que ça peut être pas mal. Parce que là, j'ai l'impression que les vendredis, c'est de pire en pire. À mon avis, j'imagine que les vendredis, il y a simplement beaucoup de gens qui utilisent Discord. Je suppose. Parce que les mercredis, avec le 12e homme, on a rarement ce problème. Donc, euh, voilà. Par WhatsApp Ouais mais est-ce que tu veux donner ton numéro euh, Z Moi ça me dérange pas, il y a déjà plein de gens qui ont mon numéro, donc ça va. Mais, euh... <laughs> mais c'est vrai qu'on peut faire ça via WhatsApp, sinon euh, pas ici. Mais non, pas, <laughs> pas devant tout le monde. Euh... Vas-y envoie ton numéro ici. Ouais 04, c'est ça. Que... <laughs> Écoutez, je me sens un peu seul, mais c'est pas grave. On va, je suis désolé, mais je vais quand même essayer de combler. On va quand même, la... on va quand même la faire notre... cette émission. On va pas se laisser dominer par des problèmes techniques. Donc, euh, je vais parler au nom de Kasselak. Alors oui, il a fait une très belle saison. <laughs> c'est horrible. Non, pardon, je me permettrai pas. Euh, alors ça se passe. Au niveau des matchs, il y a des buts. Même ça, ça me manque. Il n'y a même pas Z pour annoncer des buts. Alors, on voit que la Pologne égalise contre l'Irlande, un partout. La Belgique qui se prend un but face à la Roumanie. Alors ça, c'est vraiment pas pas cool. Le Canada. Bien vu, euh, Iketeru, le Canada, et Iketersel, d'ailleurs, le Canada qui mène 1-0 face à l'Allemagne. Euh, ok, il y a un peu toutes sortes de résultats. But, <laughs> le Canada, oui. <laughs> euh, ok, ok, au bon, niveau des matchs, euh, voilà. Mais écoutez, de toute façon, on n'avait pas prévu beaucoup de choses. Hein. Donc déjà, je vous annonce que même moi, là, je ne sais pas trop quoi dire, à part. Euh... Écoutez, c'est le week-end, on est bien. Euh... J'ai fait mon alcool cette semaine pour ceux qui veulent savoir. Alors faire mon alcool, j'ai pas. Euh, je tiens à préciser quand même que c'est juste, euh, c'est de la. Comment on appelle ça C'est pas distillé, pas du tout. C'est. Euh... J'ai oublié le nom. C'est mariné quoi, en gros. Enfin laisser euh, laisser mariner, voilà. Euh... Ouais, vous pouvez trouver dans le chat hein, l'équipe. Y a pas de souci. Est-ce que attendez Est-ce que ça se connecte Non, pas du tout. Art, je vais sortir une Bertin Champ. <laughs> en plus, j'ai même pas à boire et je suis tout seul à parler, donc je peux même pas partir au frigo. Là. Enfin, aller vers le frigo. Euh, ça dit quoi Attendez, on va regarder. Euh, bah, ça dit rien en fait. Ça se connecte pas toujours. Ok, super. Donc, j'ai fait mon propre alcool si vous voulez savoir. Ça, c'est super important. Euh... J'essaie de me connecter, ça marche pas. C'est du Métranque. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Euh... C'est une espèce de vin blanc avec, euh, avec de l'orange et une, une plante spéciale qui est la Voilà, qui se trouve dans les sous-bois. Tu n'oublieras pas la compo pour l'amical junior du crédits Ah, bien vu, Mev. Mais... Oui, c'est vrai, attends, mais c'est demain, ça en plus. Et la compo dépendait un peu de ce que ça donnait. Euh... Ouais, c'est vrai, de ce que ça donnait. Mais ça, je sais pas si on va le faire là maintenant, parce que c'est bizarre, parce qu'imaginons si tout refonctionne, on va se retrouver avec le crédits Après, ça peut être un peu l'idée, quoi. C'est vrai que finalement... Finalement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Tu ramasses ton aspérule toi-même Exactement, j'étais la chercher. Euh, en fait, j'ai la chance d'avoir ma famille qui habite euh, dans la région de Belgique, en tout cas. Euh, en fait, c'est près du Luxembourg, et c'est là où on on va dire, la boisson est un peu traditionnelle. Et donc, mmh. il y a des petits coins d'asperule et donc j'étais avec la famille euh, cueillir euh, mon asperule. C'est une petite plante euh, aromatique, hein, je pense, qui euh, se trouve généralement sous les hêtres, et dans les sous-bois, il faut que ce soit un peu euh, dans l'ombre, etc. Ah, mais c'est fou, qui était où Tu connais l'asperule Enfin, tu connais, j'imagine, parce que. Euh, parce que tu, euh, tu l'écris bien. Parce qu'il y a des gens qui écrivent ça en deux mots. Enfin, la spérule. Et toi, t'as bien mis euh, ton asperule. Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, <laughs> je pensais que tu connaissais. Donc, oui, j'étais cueillir moi-même. Je suis rentré à Bruxelles direct après. J'ai pris le train direct. Et euh, direct, j'ai fait le, la marinade pour que la plante soit encore bien. Donc... Enfin, la, dit la marinade, c'est pas la marinade, c'est la. Comment on dit quand on laisse. Euh... Bon, euh... Quand on laisse pendant 48 heures euh, comme ça dans un bac, quoi, en gros. Euh. Le Mettrange, Franck, tout à euh, France, tout à fait. D'ailleurs, Franck, si un jour tu passes chez moi, prochainement, tu pourras goûter euh, du Mettrange euh, maison. Voilà, fait maison. <laughs> je suis désolé parce qu'on parle pas du tout d'AdTrick, mais je me sens seul. En plus, là, je vois Discord, honnêtement, je vois que Z a mis un message en plus dans le dans le chat pour dire que c'est officiel que Discord a complètement pété, donc il y a plus rien qui marche. Et moi, je vois, c'est en train de clignoter partout en mettant déconnecté, connexion, déconnecté. Donc ouais, la Discord, c'est mort. Euh, « Pour le rhum, ça a rangé. Euh, »« Fra. »« Ça doit être bon. Ce que je... De ce que je lis, ça colore en vert. » Ah non, non. Euh, en tout cas, pas chez moi. Non, ça reste... ça reste Et c'est vraiment une boisson d'été. Hein. C'est du vin blanc avec de l'orange. Ça passe tout seul en été, quoi. Bien frais, ça passe bien, en tout cas. « But de la Pologne. » Merci, Z, But de la Pologne. Euh, » Non, « But de l'Irlande. » Attends, il me troll ou je rêve Non, « But de l'Irlande, Zed. <laughs> » <'est ça>, <laughs> Euh, sinon je peux raconter la suite de l'histoire à l'écrit. Ouais Casselek, avec plaisir. Moi je, en fait je serais juste le compteur ce soir. Je, comme ça je lis ce que tu dis. Et c'est très bien Casselek. Comme ça c'est vrai qu'on a la suite de l'histoire. Désolé pour ce live ultra foireux. Euh, je menais 4-3 à la 60e. Pollach a plusieurs occasions pour égaliser et finit par le faire à la 87e. Et je remets un but juste derrière et il y a encore trois occasions et j'arrive à toutes les choper. Ouais c'est vrai. Et en fait on l'a vu. Attends, j'ai déjà quitté ton match. Attends je vais revenir Casselek. On va revenir sur ton match. Euh... Attends. Ah oui non c'est ici, pardon c'est ici, ouais. En fait on le voit effectivement, donc 0-1, donc attends, toi tu es à l'extérieur, 0-1-1-1-2-1-2-2, 3-2-3-3-3, 3 4 4 4 à la 87ème, ça c'est ce que tu dis, ici. 4-5 à la 88ème, 4-6 à la 89ème. T'as trop de bol, hein, Kasselek. T'as trop de chance, hein, c'est tout, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Franchement, pour toutes les fois, t'as pas eu de chance, tu peux dire, bon, au moins une fois ça a tourné en ma faveur, parce que là, franchement, c'est... Et désolé, Polat, si tu nous écoutes, parce que franchement, ça c'est clairement un vol qu'on est en train de voir. Fermez les yeux hein, si vous regardez ça, c'est un peu violent. Euh, les deux à 4 minutes d'intervalle. Oui, c'est vrai qu'il y a eu les deux buts, t'as raison, t'as raison. C'est vrai qu'en fait, il y a d'abord eu la Pologne, puis après euh, l'Irlande. S'il n'y avait pas les gauches, je serais venu chez toi raconter de la merde. <laughs> c'est vrai. Bon, là, t'aurais pu venir combler, tu vois, j'avoue, j'avoue. T11, je suis favori. Donc attendez, on continue l'histoire de Kaselek, euh, l'histoire en coupe. Donc, au T11, on va reprendre le Mistral gagnant, on va reprendre les matchs. Euh, intéressant. Donc, le T11, j'imagine, contre euh, Petit 88. Est-ce que c'est bien le T11 euh, Je suis favori, mais j'ai de la chance sur la concrétisation. Je gagne 3-0. Ah non, ça, c'est pas le T11. Ah non, c'est journée 8 de bataille internationale. Oh là là, attendez, j'ai pris vraiment un match totalement aléatoire, j'ai l'impression. Euh, c'est celui-là. Journée 11. Non, attendez. <laughs> c'est journée de championnat. En fait, je vais jamais y arriver, attendez. T11, 0-3, huitième de finale. OK, en huitième de finale, euh, T11, je suis favori, mais j'ai de la chance sur la concrétisation. Je gagne 3-0, donc regardez au niveau des notes. Et l'équipe euh, d'Arcel et Z, euh, vous manquez. Hein. Comme quoi c'est important l'équipe, parce que seul, c'est pas la même chose. J'ai hésité à, à, à vous virer. <laughs> non, pas du tout. En plus, on est des équipe, on est tous ensemble, il n'y a même pas un qui vire l'autre. Mais euh, non, tout seul, c'est pas aussi cool. Heureusement qu'il y a Kasek qui nous raconte l'histoire quand même euh, de la Coupe de France, comme ça on peut regarder aussi. T12, c'est un coin flip, je gagne 5-1. Ah T12. Kasek, tu m'entends ah. Oui Magnifique, on t'a retrouvé, c'est incroyable, déjà on a retrouvé une personne, ça fait plaisir, je me sens moins seul. J'ai entendu un peu d'écho, je pense en théor parleur. Alors, on sait que ça peut, euh, ça peut foirer à nouveau, mais profitons-en. Euh, J'en étais justement à la, à la T12. Oui. Quart de finale, 5-1. Salut Zed, on te retrouve, bon. ça fait plaisir. Ah, nickel. Bon, tu peux regarder les notes. Je ne suis pas spécialement devant. Alors, toi, tu as l'extérieur. Ah oui, non, aussi. Et tu mènes 5-1. Ah, ouais, là, tu t'en sors pas mal quand même au niveau des notes. Tu es même plutôt... Ah, c'est dur à dire, mais bon, c'est quand même ton adversaire qui a largement le milieu. Donc, euh, ouais, j'avoue. Ouais, un peu de réussite. Ouais oh, si tu regardes en championnat c'est pareil les matchs contre les, les deux derniers matchs. Je prends 4 points alors que je mérite d'en prendre un seul. Voire zéro. Attends on va regarder un des derniers matchs de championnat. Donc par exemple euh, contre euh, FC Evans. Evans. Ouais. Ok. 6 si, si c'est quoi ces matchs Et en tout cas ça marque des buts hein, dans tes matchs. <laughs> Mais en fait c'est exactement comme le match contre Polac, c'est-à-dire que je m'attendais à une contre-attaque. Et je décide de jouer en pique. Sauf que, comme je suis premier et qu'il est dernier, j'ai une grosse, grosse surconfiance. Et en plus, je joue en pique, donc ça. J'étais à peu près sûr de l'avoir. Donc, mon milieu, il y a 9 au lieu de 14. Donc, regarde les notes. Euh... Au niveau des notes. Euh, non, attendez, là, je suis pas sur le bon match, parce que j'ai toutes les fenêtres ouvertes. Ok, au niveau des notes, ça. Ah oui, aussi. En fait, mais c'est incroyable! Ah disons que là, tu vois, tout, toute la malchance que t'as eue sur les différents matchs qu'on a suivis ensemble et qu'on sait que t'as eu cette malchance, je... tu crois pas que ça s'est rééquilibré là cette saison Un peu <laughs> Ah mince, je fais la blague et ça coupe. <laughs> ça c'est dommage. Ça peut être sauté. Moi j'étais bien dans le chat à te troller. Ouais, c'est bien, c'est bien. Avant que je récupère la voix, j'étais en train de marquer que t'avais une voix sexy en. Ah, t'as vu ça ah, non j'ai une voix fatiguée, hein, je j'ai un peu une voix fatiguée. <laughs> quand je regarde l'historique du chat, c'est moi qui m'a le plus de conneries <laughs> Franz qui dit euh, ils dorment, les ils sont petits. Ouais, ouais, non bien sûr, je sais que tu peux pas venir quand tu veux, mais n'hésite pas, ça on leur fera une fois euh... Franz que, que tu reviennes. Avec Tim, hein, Tim il a fait sensation. Ah oui Z, toi t'étais pas là, on a fait une émission avec Franz et Tim, quoi. incroyable. Tim avait fait sensation. Ça marche. Ah oui, les petits bruitages fonctionnent, effectivement. Est-ce que est-ce que, est que tu nous, rends... nous, en... nous réentends ou pas ah non, ça a recoupé, incroyable! Mais écoutez, c'est l'émission la plus bancale qu'on aura fait. On n'a a jamais fait une aussi bancale. Je vous entends, ouais, tu nous entends dans le chat, chat à fond, ouais. Euh, ah oui, tu nous entends. Mais quand tu parles, on t'entend pas. C'est faux. Ouais, moi j'ai des décos recours en fait. Mais genre une demi seconde, ça déco, ça recoo, le truc est super instable. Ouais, c'est pas Je pense que les gens dans le chat comprendront qu'on qu coupe ouais. bientôt, hein. enfin je veux dire, malheureusement. J'aurais juste quand même voulu avoir un peu avoir la fin de l'histoire avec Kasselec, parce que je trouve c'est quand même intéressant de voir un peu son point de vue en championnat. Mais bon, euh, si on n'arrive pas, on n'arrive pas. On... Il n'y a plus de salon sur le Discord. C'est vrai quoi Il y a tout qui a sauté sur Discord, c'est possible. Hein. Bah, moi je les vois parce que je suis dedans, mais à mon avis c'est peut-être si t'es pas dedans que tu te reconnectes, j'imagine. Bon là, faut voir. En tout cas moi je les vois, mais c'est possible. Les salons du Discord d'HT Actu ont disparu. Euh, ouais, n'hésite pas, Kasselek, à écrire dans le chat. Je suis vraiment désolé. Enfin, on n'y peut rien, mais. Donc euh, justement, euh, la suite, comme ça on a un peu la fin. Pour la chance, c'était déjà rééquilibré avant. J'ai gagné beaucoup de conflips ces dernières saisons. Ok, donc Casselek euh, qui s'en sort plutôt bien au niveau de la chance, ça, ça fait plaisir. Et ouais Casselek, euh, donc au niveau de la coupe, comment est-ce que tu sens la fin de la coupe, euh, comment dire, euh, bah, demi-finale, finale, finale Est-ce que tu sens que tu es plutôt quand même favori Tu sens que ça va être dur euh, Parce que tu vas jouer quand même aussi le championnat euh, à, en parallèle, donc j'imagine que ça va être des choix qu'il va falloir faire, mais sans trop en dire bien évidemment, parce que de toute façon il ne faut pas donner d'informations à ton adversaire, c'est tout à fait normal. Euh, oui, Belgique, un partout, France, effectivement j'ai vu que la Belgique a égalisé contre la Roumanie, euh, l'Allemagne aussi. J'ai vu ça sur le stream et j'essaie de voir ça sur mon PC, mais je sais pas chez vous. Mais moi, il y a des matchs, je n'arrive plus voir les scores et quand je clique dessus, je ne vois plus rien. Je crois je... que c'est la soirée de l'enfer de tous les côtés. Je rafraîchis rien, moi, je, je laisse comme ça, tu vois, dans ce cas-là. Parce que peut-être qu a des problèmes, c'est possible aussi. Est-ce que l'Europe est en train de se faire attaquer son internet Je ne sais pas, mais. Euh... <laughs> bah, Discord, c'est pas européen, si, c'est pas américain, Discord Euh, ouais, c'est <laughs> pas c'est mais ouais, mais non, mais c'est le chaos là. Euh, il y a toujours l'histoire de quand tu gagnes 5 matchs à 80%, tu as l'impression que c'est normal, mais tu es chanceux car en moyenne tu en gagnes 4. Ah eh, c'est vrai. Tout va bien ici, nous dit France. Okay, donc peut-être que c'est un serveur d'Attrick qui a un problème, Z, c'est possible. Ok, euh, et ça m'est souvent arrivé. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc dans ce cas-là, okay, d'être un peu plus, euh, plus haut que les statistiques, quoi. enfin plus haut que les probabilités devraient de l'être. Euh, Est-ce que Darcel, tu nous entends ah c'est horrible je me sens coupable. j'ai ramené Darcel en disant ça marche mais je crois que ça marche ah non, pas si bien euh, qu'il attende euh, une ou deux minutes et puis avant ça va peut-être oh, trop tard il est reparti euh, juste comme ça on va peut-être conclure avec ta saison enfin euh, avec la saison euh, en cours donc par rapport à la coupe comment est-ce que tu le sens est-ce que tu sens que t'es quand même favori t'es bien t'es pas bien euh, comment tu le sens au niveau de la coupe et pareil en championnat comment la fin de saison euh, et je t'avoue que je vais rejeter un petit coup d'œil aussi en championnat dans ce cas là pour montrer un peu euh, et voir moi-même euh, quel match il te reste parce que euh, si on regarde en championnat, tu as 24 points, tu as 4 points d'avance sur Caliente Team, le champion en titre, parce que tu as gagné 3 fois le championnat avant ça, mais la saison dernière, c'est Caliente Team qui avait fait le doublé. Donc euh, là, c'est à toi de reprendre ton, te, tes titres, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Donc euh, tu as quand même 4 points d'avance, donc tu as le droit à une petite, euh, petite défaite, on va dire. Et tu vas donc affronter euh, l'Operexport, qui est actuellement 3 à l'extérieur. Ah, ça c'est quand même compliqué tu vas affronter euh, à domicile le RC Slider, qui est euh, bah, lui qui va jouer pour euh, essayer de ne pas descendre. Et le dernier match, ça sera à l'extérieur contre les Aigles de Brégil. de Brigil, non de Brégil. de Brigil. Bon, c'est Aigle de Fin nous le dira si on a mal prononcé. <laughs> euh, qui lutte aussi euh, dans le bas de tableau. Euh, pour la Alors Kassalec. salut à tous, salut Katox. Alors on a plein de problèmes aujourd'hui. On avait Kasselec avec nous, mais Discord ne fonctionne plus. Mais je crois que maintenant on a récupéré les Z quand même. On a perdu Darcel et Kasselec, donc voilà. Euh, salut Galloyan, euh, salut à vous tous. Euh, pour la Coupe, j'ai la chance de jouer contre le Petit Pousset en demi, mais à ce niveau-là, il n'y a jamais de match gagné d'avance. Ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai que tu es contre la Division 4. Il reste euh, deux championnats, une Division 2, une Division 4. Donc j'avoue que tu es contre le Petit Pousset. Mais comme tu dis, il n'y a pas de petites euh, équipes. Pour le championnat, ce qui peut me faire perdre, c'est que le match à domicile est un derby. Ah ouais! Ah oui, RC Slider, ça fait Strasbourg aussi. Euh, ah oui, j'avoue. Attends. En Alsace, tous les deux. Effectivement, c'est un derby. Bien vu. Comme le match la semaine dernière. Mais quoi, mais il n'y a que des Alsaciens ou quoi dans... <laughs> en championnat euh, Ok. Et. Euh... Ah, ce qui te demande, j'avais même pas vu, il y a une question au cas où, Kassayek. Euh, ça a pris combien de temps pour arriver en championnat euh, ça, je pense qu'on avait dû en parler à l'époque quand tu étais venu, mais n'hésite pas à redonner euh, l'info. Euh, on avait fait, Chuchu, si tu veux, on avait fait une interview de Casselec. Bon, on en a déjà fait plein. Il est venu plein de fois chez nous, en fait. Donc vrai que c'est peut-être un peu fouillis pour trouver les informations. Donc c'est peut-être bien effectivement lui demander directement. Euh... Vroom, nous dit pas Petite pique pour Casselec. Je suis devant lui au classement des anges du volant. Euh, en fait, j'ai commencé par ne jamais jouer à l'extérieur lors des cinq premières journées et je finis sans jouer à domicile sur les cinq dernières journées. Ah, incroyable, ça avec les derbies, euh, c'est fou, quoi. Désolé, je savais pas. Non, non, Chacho, t'inquiète, non, non, mais t'inquiète, a aucun souci. Non, non, on peut poser la question à Kasek. En plus, il nous entend et il peut répondre. C'est bizarre, un hein, Z, d'avoir un invité qui répond par écrit. Ah ouais, mais c'est surtout bizarre d'avoir cette émission. D'avoir cette émission, je pense, ça a coupé juste au moment où tu parlais. Tu cette émission où y a rien qui va. Ouais, c'est ça. Ben, je la. Non, mais non, ça, cou ça coupe, ça me déco, ça me reco, mais j'arrive à garder la voix. Pas de bol pour vous, vous m'entendez ah, C'est vrai, on s'entend quand même, c'est est vrai. Euh, Est-ce qu'on la met sur YouTube ou pas Bah oui, quand même, non, c'est quand même une émission, mais elle est un peu bancale. Ouais, non mais Tu mettrais un, un, un sous-titre ou un truc pareil, l'émission de l'enfer ou, euh... Ouais, ouais, l'émission avec que des bugs, et comme ça au moins ah, les peut gens le sauront... Que... En... C'est peut-être le moteur de jeu qui a, qui a, qui a piraté le, le Discord, parce qu'on a été méchant avec lui. Peut-être. Il faut penser à mettre l'hymne du pour terminer l'émission. Ah ouais, elle passera. À... Je ne l'ai pas préparé. Euh, pas ce soir, mais rappelle-le-moi pour les prochaines, c'est vrai. Mais là, je ne l'ai pas. Et le problème, c'est que si je mets l'écran de fin, il faut que je change tout et je pourrais pas le faire. Mais mais ça peut être une idée. Euh, donc, j'ai pu avoir beaucoup d'avance après la J6 et maintenant, j'essaie de résister. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est euh, Chef Lindois. Il a, il a envoyé un message sur Discord en disant qu'il n'était pas là ce soir. Donc, euh, il nous souhaitait une bonne soirée. Alors, en fait, il était dégoûté de Paeta nous a piraté. C'est sûr. Chef Lindois. Non parce que ça a coupé, où dit c'est, euh, Chef Lindo... bah, En fait ça coupe que chez toi, désolé, parce que je pense que les gens ça coupe pas chez eux, mais désolé pour toi, mais c'est ouais. Chef doigt, tu vois, qui avait dit ça. Ça sent le doublé quand même, Steve. Ouais, désolé Alpha, promis la semaine prochaine, promis. Si tu me le rappelles, le jour avant, promis la semaine prochaine, c'est fait. Si on peut télécharger les chansons, d'ailleurs, parce que je sais même pas si on peut les télécharger, mais j'imagine que oui. C'est encore un truc de cette pile pour nous empêcher de gagner au quiz. Ouais, alors par contre, en vrai, euh... ouais, Franz, je suis pas sûr qu quoi qu'on... Ouais, On peut pas faire le jeu en fait. Ah, bah si, parce que moi ça bug pas. En fait, je peux faire mais le bon, jeu moi. Mais bon. Ça, j'ai rien eu le temps de préparer. Non, mais on fait un... au pire, on fait un petit bac. Est-ce que vous voulez jouer dans le chat On est quelques-uns. Ouais, ou... ouais, parce que. C'est pas parce qu'il y a des bugs qu'on va cesser de faire. On va cesser de dominer par les bugs. On va quand même faire notre émission jusqu'au bout. Hein. Ça, il a pas de souci. On va quand même faire le jeu, je pense. J'attends juste que Kasek, peut-être. Euh, je sais pas s'il a terminé ou pas. Euh... Ah, voilà. Si on compte la période où j'ai accumulé de l'argent avant, 8 ou 9 ans. Il a fallu à Casselec pour arriver en championnat. Okay. Et dernière question de Katox qui te, qui te demande Tu te donnes encore combien de saisons en haut Casselec Et les gens ah, mettent tout dans le chat. Alors, imaginez, il y a des bugs avec Discord. On n'est pas à l'abri qu'il des bugs avec Twitch. Donc, on est désolé par avance pour ce quiz. Mais on fera un petit quiz classique. Je vais déjà préparer pendant que Casselec répond. Je vais préparer tout ce qu'il faut le tirage au sort des lettres. Et euh, Zed, je sais pas si tu as des idées, n'hésite pas. Hein, si des idées de, de, de questions pour le quiz, euh. n'hésite pas. Je vais mettre le jeu déjà. Voilà, on va déjà mettre le jeu. Comme ça, on va déjà tout préparer. Alors, ça, c'est le score de la semaine dernière avec Chef Lindois qui avait gagné. Donc, peut noter les scores aussi pour les mettre sur Discord. Mais je vais les mettre sur un bloc-note aussi, euh, par sécurité, je pense, ce soir. Ouais, ah, oui, oui, parce que c'est vrai que si tu tapes sur Discord, c'est pas, pas sûr on que ça va. Euh, tout ce qui se passe ce soir soit rollback ou. Euh, Enfin, bref. Qu'est-ce qui nous dit Mais sinon, le projet a démarré en novembre 2018, je suis arrivé en championnat fin 2022. Ouais, c'est ça. En fait, tu as accumulé de l'argent pendant 3-4 ans, 4-5 ans, et après, tu as tout donné euh, entre la formation et euh, l'autre tableau. Ok, c'est pour ça. Ok, mais bah écoutez, vous pouvez continuer à poser des questions à Kaselek, hein, de toute façon il est dans le chat, il peut répondre, mais nous on va se terminer par un jeu, euh, juste peut-être un, un petit résultat, un petit résumé des scores à la mi-temps, donc euh, Irlande-Pologne 2-1, Belgique-Roumanie 1-1, Allemagne-Canada 1-1, donc pardon, Irlande-Pologne c'est pour la finale de la Coupe d'Europe U21, et, euh, et le T4, la J1 de la T4 de la Coupe du Monde chez les A, c'est Belgique-Roumanie 1-1, Allemagne-Canada 1-1, et dans les barrages pour pouvoir jouer la Coupe du Monde chez du 21 le Bénin mène 1-0 face à l'Ouzbékistan, mais ils ont perdu 2-0 match aller, donc il faut encore au moins mettre un but. Et Algérie contre Georgie 0-0, l'Algérie a perdu 2-0, donc l'Algérie doit marquer deux buts en deuxième mi-temps aussi. Euh, ok, je vois que ça parle dans le chat, c'est parfait. Écoutez, nous on va jouer. C'est le jeu, c'est maintenant. Euh, si vous nous rejoignez, je vois qu'il y a des gens qui nous... qui nous rejoignent maintenant. On a perdu la plupart des gens de l'équipe. On a perdu Casselé qui était avec nous. Euh, Discord bug, il n'y a rien qui marche. Donc euh, voilà. On va terminer la soirée par un petit quiz quand même. Vous pouvez jouer. Normalement, moi, ça fonctionne. Au moins, euh, parce que je passe directement dans le... via mon PC chez vous. Donc euh, ça marche directement. Mais on n'est pas à l'abri que ça bug chez Z qui est là. Euh, donc voilà. On n'espère pas, mais ça peut arriver. Et on va faire le quiz. Alors attention, euh, première lettre. On va jouer avec la lettre H. Alors pas tire un penalty, qui va aller sur la barre. Ah, il n'y a rien qui va ce soir. Même les pénaltys, ça marche pas. Il y a des soirs comme ça. Hein, c'est la vie. On a tous des bonnes et des mauvaises soirées. Bah, là, c'est une mauvaise soirée pour l'émission. Euh... Bon, c'est une bonne pour nous. On rigole. On est bien avec vous. En tout cas, merci d'être présent Parce que franchement, vous êtes quand même présents dans le chat. Et franchement, comme on... on le dit à chaque fois, sans vous, on ferait rien. Mais là, ce soir, encore plus. <laughs> Je veux dire, si vous n'êtes pas là. Je pense qu'on fait vraiment rien. Il y a tout qui bug, vous n'êtes pas là. Non, donc merci beaucoup au chat, hein, bien évidemment, euh, pour sa présence. Franck Hérisson nous dit à C'est vrai que Franck Hérisson pourrait marcher. J'ai déjà de la question, hein, j'ai déjà copié, donc euh, je vais la coller. Euh, alors que Kasek répond aux questions. Euh... J'attends un petit peu. Dans ma tête, cette saison était la dernière chance d'avoir un trophée, mais si je continue de chater, je peux durer plus longtemps. Ouais, Kasek, chaque année, nous dit ça. Hein, chaque saison. Euh... <laughs> Attention, première question. Première question, je vais la taper dans le chat, j'attends un tout petit peu, parce que comme ça euh, les gens sauront que je vais la taper dans le chat. Qui commence par H. Donnez le nom d'un manager à trick. Ça fait longtemps, celle-là elle est tellement classique que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. Euh, Franck Hérisson, ça Ongdu nous dit Mev. Ah, Ongdu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu euh, en direct avec nous, mais je pense qu'Hongdu écoute les rediffusions. Je suis pas sûr, mais je crois, donc euh, c'est l'occasion de saluer Ongdu, ça fait plaisir. Euh, un pseudo qu'on apprécie dans la communauté. HT Johan. Je sais pas si on l'aurait accepté vu que c'est une particule, mais on n'a pas se posé la question vu qu'il y a Hongdu, donc ça va. HT Johan, Apodu. Euh, bien joué même en tout cas c'est pour Mev. Et c'est qui complète, mais ce qui me pénalise c'est que mon noyau est formé de buteurs milieu off et leurs caractères sont celles qui baissent le plus vite. Ah oui j'avoue, j'avoue. Apidu, HZ. Ah, Katox et Franti, ils se sont passés le mot, quoi. Pour... <laughs> euh, le point pour Mev. Mev 22, un point. Attention, prochaine lettre, ça sera avec la lettre... X, on a toujours les pires lettres, c'est incroyable, ça, même ça c'est bugué, <laughs> mais on va quand même la faire. J'ai complètement euh, choisi la question, mais je ne sais même pas s'il y a une réponse avec X. Donc, euh, euh, écoutez, on va voir, on va voir, donc avec X, euh, on va voir. Jamais de voyelle, il n'y a pas de voyelle dans... dans ce... <laughs> Dans cet alphabet-là, il n'y a pas de voyelle, effectivement. La lettre doit se retrouver dans le pseudo d'un invité que nous avons reçu dans l'émission. Et on peut accepter une particule, mais je crois qu'il n'y a pas de particule avec X. Sinon, ce serait peut-être un peu bizarre. Un invité euh, qu'on a reçu. Alors attendez, je vais regarder parce que même moi, je ne sais pas si on a un invité. Je cherche vite fait. J'ai la liste des invités. Normalement, j'ai un document Excel. On va regarder. Oh, Mev, incroyable. Non, mais Mev, incroyable. Je vais même pas regarder parce que Mev est trop fort. Mev, tu es trop fort. Et en plus, le, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment son match qu'on suit principalement ce soir, quoi, parce que c'est une des dernières personnes de la communauté entre guillemets euh, franco-belge encore en T4 de la Coupe du Monde. Euh, Mev, rien à dire. Est-ce qu'on avait d'autres? L'ex-gue. Ouais, même France. Ah France, tu aurais pu le trouver, j'avoue, quoi. Je cherchais son nom. Euh, bien joué, lex qu'on avait reçu, effectivement. Là, franchement, Mev, euh, pff, rien à dire. C'est incroyable. Euh, Est-ce que tu m'entends encore, Z? Oui, tout à fait. Incroyable point de meuf qui reste premier. Donc c'est cette question, hein, comme d'habitude, euh, comme ça vous savez. Cette question. Euh, prochaine question. Je prends déjà la question comme ça. Je ne vais pas influencer par rapport à la lettre. Et donc la lettre, ça sera la lettre R. Ok. R, ça va. C'est déjà un peu plus raisonnable. Sex kill. <laughs> Xo euh, J'aime bien également l'ambiance, mais pour l'instant, j'ai envie de titres. Ah oui, She -She, qui parle avec Galoyane. Galoyane qui disait « Je joue plus pour la convivialité que pour essayer de remporter des titres. » Comme moi, Galoyane. On a la même euh, opinion, enfin, la même, euh, la même manière de jouer, je pense. <laughs> même si, franchement, la saison prochaine, je vais vraiment m'y mettre. Hein, attention, avec le DAPI du FC. Euh, par contre, avec le d crédit non, non, là, on est là pour les titres quand même. Attention. Lettre R, attention, prochaine question. C'est parti la classique, donner un terme technique à tricks, spécialité, caractéristique. bref, un mot qu'on peut retrouver dans le manuel de manière générale. Ah, c'est Katox en premier de très peu. Euh, rapide et résistant, les deux étaient bien, et euh, Katox a été premier. Ralent... Ralenti, est-ce que ralenti est dans le manuel Il y a Alpa dans le chat, on peut lui demander, est-ce que Alpa, il y a ralenti dans le manuel, ou est-ce qu'on doit chercher pour regarder Je suis quand même curieux s'il y a ralenti. Et le point est pour Katox. Catox, un point. Est-ce que quelqu'un est peut me... Attends, genre... Euh... Je suis pas sûr, hein, parce que ralenti... Quelque chose qui ralentit, mais il n'y a rien qui ralentit dans la trick en fait, non Il n'y a pas des ralentis, il n'y a pas des replays non plus. Euh... Attendez. Je suis quand même curieux, vous savez. On prend le manuel. Alors, euh... manuel... Tout le manuel dans une longue page CTRL F, ralenti n'est pas dedans. Mais bien tenté quand même, bien tenté Galwayan. qui euh, nous dit Pour la petite histoire, je me suis fait voler en bataille de division. Le match vient de se finir. Faut vraiment que je vienne plus un soir de match. Mais non, Kasek, là ce soir, tu n'étais pas vraiment avec nous. Ça compte pas, tu vois. Là, tu peux pas dire ça. <laughs> Aujourd'hui, tu n'étais pas vraiment avec nous. Mais tôt, et pour toutes les fois que tu as volé cette saison, tu pouvais bien te faire voler au moins une fois, tu vois. Ça va. <laughs> attention, prochaine question. Euh, prochaine question D'abord je prends la question Ok Et euh, On tire sur la lettre Ça sera la lettre N Et comme dit Mev Ça va si c'est euh, si en bataille de division Ouais franchement tant que c'est pas en coupe ou en championnat Pour toi ça va tu vois c'est bien Lettre N On attend un petit peu Il y a de plus en plus de monde Qui sont présents mais euh, C'est fou c'est pour la, la pire émission hein, <laughs> Qu'on fait Bon, on se termine par le petit jeu, attention. On va demander. Il faut que ça commence par la lettre N. Le nom d'un manager qui était sélectionneur national de n'importe quel pays, A ou E21, et pas Franck Nérisson. Donc, par N. Nérisson, non, ça ne marche pas. Attendez, je vais déjà prendre aussi à trick au cas où les gens euh, donneraient le pseudo. Qui commence par N. Je suis en train de réfléchir en France et en Belgique déjà. Ah, je pense qu'en Belgique j'en ai un. Euh, ben, J'ai pas envie de donner trop d'indices. Ça pourrait donner des indices peut-être à France ou quoi, qui lui est fort proche des équipes nationales belges. Je l'ai vérifié, mais je crois qu'en Belgique j'en ai un. En tout cas, c'est quelqu'un qui se présente chaque année aux élections, donc je me dis. Il <laughs> a bien été au moins une fois élu quand même. Euh, attendez. Attendez, on va regarder. Et c'est quelqu'un qui est souvent deuxième en plus. Ah, <laughs> euh, Nina. Elle pas bien joué, Nina. Ah France, Nightwish jamais élu, ok Mais France, c'est exactement, je pensais à Nightwish, parce que j'ai l'impression que je vois ce pseudo tout le temps à chaque élection. Et ok, Nightwish n'a jamais été élu, bah franchement, il faudrait au moins qu'il soit élu une fois, tu vois, pour l'honneur de se présenter à chaque élection. Euh, mais Nina, par contre, rien à dire, euh, Alpha bien joué, Nina, euh, Nina, qui était élue, on s'en rappelle, en, en... Thaïlande, euh, et même avant, hein, je pense c'est possible, en tout cas, euh, donc Nina, ça fonctionne alors oui, y a des, les puristes vont dire ouais, mais il y a un underscore, mais on accepte le N parce que ça, la première lettre c'est un N quand même. Enfin, je veux dire, voilà, le underscore c'est pour la, la décoration. Euh, et un point pour Alpa. Et j'étais son adjoint, la honte. <laughs> ah bah désolé, euh, désolé Katok. Mais non, mais ce jeu, pour ça, tu vois, c'est pas toujours évident. Hein. Moi, quand je vois, souvent, quand, parfois, quand je pose des questions, je me dis c'est super dur, et quand je vois les propositions, je me dis bah ouais, on, genre lex gœur typiquement, on aurait dû le trouver, enfin, tu vois. Et, alors, attention, il reste plus que trois questions. Euh, prochaine, je l'ai sélectionnée. Je tire au sort la lettre. Avec la lettre F. Euh, contestation, ma réponse est bonne et donnée avant. Oh, pardon. Ah oui, note 77, pardon, Mev. Mais... Non, attends, 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 je vais regarder. Euh, effectivement, c'est possible. Je, je, je suis passé à côté, autant pour moi. Je regarde tout de suite. Je suis en train de regarder. Ah, est-ce que tu peux me dire de quel pays Parce que je trouve pas... En fait, c'est peut-être un utilisateur qui n'existe plus. Tu peux me dire juste le pays euh, salut Seb -Gui. Corruption. Et en plus, Z qui marque son penalty incroyable. Ça, c'est de la corruption. Z, il a appuyé sur le bon bouton. Sélectionneur en Finlande. Écoute, on va regarder. Et euh, Mev, franchement, on est tous d'accord pour dire que Mev, rarement, il ment. Tu vois. Mais on va quand même vérifier. On est obligé. Euh, c'est où que je trouve ça déjà Attendez. Euh, Équipe nationale. Euh, sélectionneur précédent. Euh... Attends. Sectionneur U21, sectionneur précédent. Ah mais attends, non, on ne le voit pas. Attends. Comment est-ce que je peux voir ça, euh, Mev Parce que, en fait, il n'existe plus. Ancien utilisateur. Attendez, moi je suis en train de me faire arnaquer peut-être par Mev, j'ai un doute. Mais non, je ne pense pas. Mev, jamais, il va arnaquer quelqu'un. Non, non, jamais, on le connaît. Euh, comment je peux savoir ça Ah oui, si, pardon, pardon, s'il si, existe bien. Mais attendez, mais comment je peux pas cliquer dessus Ah oui, un ancien manager. Non, bien vu, Mev, effectivement, effectivement. Le 3 du 2 2009, le 15 du 9 2009, Node, bien vu. Euh, 2008-2009, personne n'était né. Quatre contestations, je vois ma réponse de Nina avant celle de Mev. Alors attendez, attendez, on se calme. Euh, je pense que Mev est bien en premier. Moi, je vois Mev avant toi. Euh, France veut mettre un lien, mais il n'a pas le droit. Attendez, il y a trop de choses. Euh, mais c'est bien Mev. Mais franchement, Alpa. Pour le style, ta réponse était belle. Ça rapporte pas de points mais c'était une belle réponse. C'était quelqu'un de la communauté, donc déjà tu peux être fier de toi. Mais le point va bien pour Mev parce que c'est bien Mev qui l'a mis en premier et Alpha, tu sais bien le chat chez toi, si tu l'as mis en même temps que Mev et je pense que vous l'avez mis ensemble, c'est pour ça que j'avais pas vu à mon avis la réponse de Mev c'est que tu as tapé en même temps mais c'est bien Mev en tout cas. Il euh, y a un podcast en finnois qui parle avec Node. Ah OK, remboursé. Mev 22 intouchable ce soir. Non, Alpha, désolé, désolé mais c'est vraiment Mev. Z, tu es d'accord Z, l'arbitre euh, impartial. Voilà. Tu vois, Alpa, tu peux pas. On a fait la var et euh... tu regardes dans le chat, hein, dans le chat à droite. Mais franchement, très belle réponse, Alpa. Très très belle. Ça, tu peux garder. que as une, t'as des points en figure de style. Ça, ça rapporte pas de points en fait. Attention. Prochaine question. Ah oui, pardon, non non, attendez, on est toujours sur le F en fait. Attendez, je, je reprends ma question en fait. C'est vrai <laughs> qu'il y avait une question à la base. Putain. <laughs> bon, F. Putain, ça fait une heure qu'on a fait la dernière. La fédération française. La FFFF Fédération Française de Football Féminin FFFF Attention prochaine question j'ai donné la réponse le nom d'un pays sur l'Atlantique je crois que j'ai donné Finlande pour mev alors France c'est bien mev qui l'a mis parce que je pense que tu, France tu vas peut-être te voir avant Katox aussi alors ça c'est incroyable c'est fou, chat, fou le... que... tout à fait ouais c'est mev c'est mev euh, par contre on est d'accord pour dire à quel point c'est fou comment le cerveau il fonctionne tu vois parce que je suis sûr qu'on aurait posé cette question sans faire attention à la réponse de Mev, tout le monde aurait mis France. Là, Mev, il parle de la Finlande, tout le monde met Finlande. Alors que franchement, il y a la France, tu vois, forcément. Incroyable, tu vois. C'est sûr que le cerveau, il a retenu Finlande, il a tapé Finlande direct, quoi. Donc je trouve ça trop drôle. À part France, qui a tapé France. Mais sinon, Finlande, Finlande, Finlande. En fait, tous les Français ont mis Finlande. Et, euh, et le seul Belge a mis France, quoi. Incroyable. <laughs> euh, bon point pour Mev. Je crois que Mev a gagné, si j'ai pas de bêtises. Attendez. Ouais, Mev a gagné, quoi qu'il arrive. Euh, Mev est vainqueur, déjà. Donc bien joué, Mev. Euh, mais on peut terminer pour l'honneur quand même euh, Attendez Ok on va mettre cette question là Avec la lettre U Putain c'est quand même drôle hein. Tout le monde a mis Finlande Je te demande un contrôle anti pour Mev eh, J'avoue que Mev il est en forme ce soir Ça fait plaisir Sinon le Bénin qui a mis un deuxième but oh, Alors ça par contre c'est ultra important Parce que c'est à dire que le Bénin égalise complètement Sur l'ensemble des deux matchs ah, pas mal, pas mal pour le Bénin. Très très bonne nouvelle. La bière de ralenti. Euh, par... U, attention, la question. La lettre doit se retrouver dans le pseudo d'un invité que nous avons reçu dans l'émission. Alors là, vous vous dites, mais il pose deux fois la même question. Eh ben oui, je me suis planté, mais c'est comme ça. En fait, je me suis planté complètement. Quoi. Et en plus, la réponse, c'est l'ex. Ça remarche, quoi, mince. En vrai je crois que... Je... En fait j'ai raté mon copier-coller, ça m'est jamais arrivé. Ouais franchement j'ai raté mon copier-coller, je l'avoue. Putain je voulais faire la question avant et j'ai tapé celle-là, j'ai pas compris. En fait au moment où je l'ai lu, je me suis dit putain mais on l'a posé celle-là, c'était pas celle-là que je voulais mettre. Bon ça arrive, c'est la vie hein. ça, ça compte. C'est la, la vie, vie donc c'était... C'est ça... Mev. Mev avec lex encore une fois. bien, il y a deux personnes dans les scores. Mev, 5 points, Katox, 1 point. Putain incroyable non, mais C'est là on l'avait encore jamais fait, la double, la double même question. Attention dernière question. Pour la blague franchement j'aurais envie de taper la même question mais je vais pas le faire. Promis je le fais pas parce que ça serait drôle de faire ça pour terminer. Mais je vais faire vraiment la question que je voulais mettre avant et je vais mettre celle-là quand même. Avec la lettre L. Alors taper l'exgeu attention. <laughs> Préparer l'exgeu on sait jamais. Putain en vrai attendez je vais regarder la réponse parce que si la réponse l'exgeu ça fonctionne j'aurais l'air con. Non je pense que ça va ça va. Enfin, en fait j'en suis pas sûr mais non 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 c'est sûr que non ça va. C'est pas l'exgeu je vous le dis quand même. Je vais vous balancer les lunettes, Tom Chef. Attention, dernière question. La lettre doit se retrouver dans le pseudo d'un officiel Trick. C'est ça, en fait, que je voulais mettre comme question. Luxembourg, ça ne marche pas. À moins qu'il y a mode Luxembourg, peut-être. Acheter Daniel, bien sûr. Attendez. Un underscore par un tiret. Attends, attends. Oui, Acheter Daniel, je sais pas pourquoi j'ai buggé sur Acheter Daniel, je me dis, bah oui, oui, je me disais oui, mais non, Acheter Daniel, ça fonctionne, bien vu, alors, bien évidemment, il y avait Alpa, effectivement, Mev, mais euh... mais c'est Iketeru qui marque le point avec Acheter Daniel, Galwayan, Galwayan, quand tu seras modérateur, euh, on pourra te, te mettre aussi là-dedans, Iketeru qui gagne le point de l'honneur, le dernier point de l'honneur, euh, magnifique, comme ça, tu rentres dans les points aussi, J'étais frustré de ne pas avoir mon nom sur le tableau, et là tu peux le voir, regarde, hop, en direct, le nom de Iketeru, bon j'ai juste mis Iketeru, hein, on est d'accord. Euh, mode Filou, ça fonctionnait euh, aussi, ouais c'est vrai qu'on peut regarder un petit peu les modes, euh, qui ça... il ouais, y en a pas mal, pas mal qui fonctionnaient, euh... donc voilà, magnifique. Bah écoutez, le gagnant c'est Mev, bien joué Mev, Mev impartial sur ce quiz, franchement, euh, rien à dire. Mev, comme d'habitude, tu nous dis... Enfin, comme d'habitude... <laughs> comme chaque semaine, hein, quoi. Non, pas du tout. Mais tu nous dis si tu veux euh... si tu veux garder les crédits, les offrir à quelqu'un ou les offrir à la communauté. Tu fais comme tu veux. Et HT euh... ah, Daniel, il a l'identifiant 3, quoi. Je suis en train de voir sur l'écran. Ça, c'est fou, hein. l'identifiant 3. C'est vraiment le troisième user créé dans le jeu, quoi. Et Mev qui prend les crédits. Écoute, c'est parfait. Euh, je marque ça. Et euh, tu les recevras juste après, euh, dans ce cas-là. Si je deviens modo, ça va dégager sévère. <laughs> Écoutez, euh, j'ai envie de vous dire en tout cas merci d'avoir été là parce que c'était pas évident avec tous les bugs qu'on a eu. Désolé pour Casselec. Euh, mais ça, franchement Casalek, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on va refaire ça. Euh, idéalement, quand tu, si tu es champion, on te réinvitera d'office pour parler un peu de ton parcours et on espère en tout cas que Discord marchera. J'ai bien dit si tu es champion, j'ai pas dit que tu vas l'être ou pas l'être. Je, je porte pas la poisse, attention, ça je fais attention. Mais, euh, mais donc voilà, désolé pour cassel, ça aurait pu être sympa en tout cas d'avoir son, vraiment son, sa fin de saison euh, en vocal avec nous. Euh, désolé pour Darcel aussi, d'ailleurs Darcel qu'on n'a jamais retrouvé. Euh, on salue Darcel en tout cas, si tu nous écoutes Darcel, on te fait une grosse bise en tout cas, mais euh, c'est vrai qu'on t'a pas eu sur la fin. Salut <laughs> l'artiste, tu vas nous manquer. Non, on retrouvera Darcel euh, la semaine prochaine. Euh, on fait un scriblio, on faisait ça avant. <laughs> ah oui, le scribble.io. Euh, Peut-être pas sur hashtag, Franchement, et, si vous voulez faire un. Attendez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un dessin et c'est gagné Je pose la question. Zed, tu n'es pas obligé, tu peux aussi si tu veux, c'est comme tu veux. Mais euh, je ne peux prend pas prendre en otage. S'il y a des gens qui. Si vraiment, genre, il y a 4-5 personnes motivées, on peut se faire ça. On faisait ça avant. Ouais, c'est vrai, France, on faisait ça avec le. Euh, on faisait ça avec le. Avec le 10 crédits, à la fin des matchs du Enfin, non, c'était les dimanches, hein, je crois. On, faisait, on suivait les matchs, puis après, on faisait des jeux, je crois que c'était ça. Si des gens veulent. En fait, en gros, c'est un dessiné, c'est gagné. Euh, assez simple. Et on peut se faire ça entre nous, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, on sautera juste sur ma chaîne. Comme ça, on arrête la rediffusion là, parce que ça a été tellement un chaos, tout ce qu'on a fait. On ira juste sur euh, twitch.tv slash dapidu. Mais comme ça, euh, les gens qui coûtent en rediffusion n'auront pas euh, tout le bordel jusqu'à la fin. Pourquoi Ceci pas dit, On rigole, mais j'ai l'impression que le Discord va vachement mieux, là. Quand même. Mais tu sais quoi Sinon, on se fait un dessiné, c'est gagné. On va juste sur. Euh, ouais, désolé, mais on va juste changer. Alors, attendez, Z, euh, t'as pas le lien euh, Attendez, on va sur euh, twitch.tv slash dapidu. Mais je vous avoue que ouais, je si, si je regarde effectivement sur Down c'est un site qui analyse les, les pannes, effectivement le nombre de plaintes de Discord, là c'est Je pense qu'ils sont en train de remettre tout en état. Ok, on va ici. Regardez, on va sur cette chaîne-là, mais dans 5 minutes, je vais juste relancer. Comme ça, on arrête la rediffusion. On salue tout le monde. Donc, merci beaucoup dans le chat. Merci beaucoup euh, à ceux qui nous écoutent en rediffusion. On est vraiment désolé pour cette émission catastrophique. On n'y peut rien. On a essayé de faire du mieux possible. C'était un bordel. J'espère au moins que ça vous a un petit peu amusé quand même. Et on a essayé de faire du mieux qu'on peut. Euh, ça m'a manqué en tout cas l'équipe. C'est là où on se rend compte que l'équipe elle est importante parce que quand je suis tout seul, c'est pas le même en tout cas. Heureusement, Z, t'as pu me rejoindre à la fin. Ça a un peu quand même sauvé aussi les meubles. C'était cool. Il y a Discord qui confirme que c'est réglé le truc. C'est T'es toujours là Je te vois dans le truc, donc si t'essayes de parler, on devrait peut-être t'entendre. Mais vous savez quoi Non, non, mais vous savez quoi Sinon, bah pour la rediffusion, à mon avis, parce que là, je vois que qui est pas là, s'il était là, on aurait laissé répondre, mais je vois qu'il est pas là. Sinon, on va réessayer peut-être euh, entre nous, on va faire un petit dessin et c'est gagné, et pourquoi pas avec avec en vocal aussi, tu vois, s'il est là que ça refonctionne. Mais dans 5 minutes, sur twitch.tv/slash dapidu. Euh, perso, je vais aller manger donc, oui, salut à ceux qui partent et, euh, et à ceux qui font un dessin c'est gagné. Bah, on se retrouve dans 5 minutes vraiment sur, euh, sur la chaîne là-bas. C'est juste voilà, comme ça on se retrouve. Donc, un, une grosse bise à tout le monde, à ceux qui écoutent en rediffusion. On espère en tout cas que la fin de saison va bien se passer pour vous. Z, euh, à la semaine prochaine. Ouais, ouais bah je te suis moi en fait. Ce soir. Allez, ça marche. À toutes ouais, ouais. et bonne soirée. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.